Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo live test de l'extension de The Witcher 3. J'espère que vous allez bien les gens, on est dans la quatrième partie, donc je rappelle, hein, on fait les jeux tranquillou, on les teste et on les fait si vraiment on kiffe. Là pour le coup on kiffe, donc on va tous taper la quête principale ensemble en vidéo. Comme je dis, on est sur la quatrième partie, une partie correspond à environ 2 heures de jeu, hein. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, donc ça s'équilibre à peu près. Et là où sommes-nous, si vous avez regardé la précédente vidéo, on est à un mariage. Oui, Gérald est à un mariage. Il s'est fait posséder par un esprit. Enfin, si on reprend du début, il doit exaucer 3 vœux à un gars. Et le gars, dans ses vœux, il a choisi de faire plaisir à son frère décédé. Donc, j'ai réanimé l'esprit de ce frère qui... bah du coup mon but c'est de lui faire passer une journée inoubliable, et pour ça il avait besoin d'accord, donc il me possède et on est invité à un mariage où il veut s'amuser, où il veut rencontrer des belles filles. Donc vous verrez que Gérald, quand il parle bizarre, c'est que c'est pas lui. Et là on a été chercher le cracheur de feu qui a eu peur d'un chien, du coup il s'est barré et maintenant il va retourner à la fête pour faire la fête. Bah oui, bah c'est tout, c'est comme ça. Allez, on y va, cracheur de fufu. Alors c'est un moment que j'ai pas joué, j'espère que j'ai pas perdu la main. Vous aurez un petit peu de saccade au début, c'est le temps que mon PC se cale bien. Normalement ça devrait aller. Ah, un ours. Un sanglier. Si ça c'est un ours, votre queue est un gourdin. Cachez-vous, bougre d'âne. Ah, il fait bobo le sanglier. Oh, c'est vraiment trop bien congelé comme ça. C'est très costaud un sanglier, hein. C'est clair et net. Attends, attends, sanglier, fais pas le fou. Je vais plutôt mettre ma protection de Queen. Parce que si on est dans la merde. Ouh, oulala. Quand il me charge, il faut que je fasse gaffe. Hop, les. Ok, il s'arrête et en final, il finit de charger. Ok, super. Non. Ah, on va pas se faire buter par un sanglier. Eh, hey, il est costaud quand même. Allez, bouge. Faudrait que j'arrive à le regeler. Ah mais il charge à tout va, il charge n'importe comment. On a réussi à le regeler. Laisse mon cracheur de feu tranquille. Faut que je profite tant qu'il est gelé. Ah, il court quand même vite même gelé. Mais arrête, viens ici. Petit sanglier. Voilà, allez, à bon steak là-dessus. À bon steak. C'est Obélix qui va être content. Des défenses. Je n'avais jamais trouvé. On n'avait jamais croisé de sanglier encore. Vous avez vu beaucoup d'ours ayant la forme d'un sanglier? Ah, j'ai la vue basse. Et puis, cracheur de feu, pas naturaliste. Il est bourré, sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop, on finit son café. Monsieur, pardonnez-moi, mais quel est votre nom? C'est le matin pour David moi. Artensbourg. Ah, c'est l'offre. Écoutez-moi, monsieur Artensbureau. Tesburn. Restez près de moi et il ne vous arrivera rien. Je veillerai à ce que l'ivrogne que vous êtes arrive sain et sauf au mariage. Allons-y, je rappelle les gens quand c'est une vidéo live, c'est-à-dire que nous sommes en live, là vous pouvez interagir sur le tous les réseaux sociaux. Disparu, ne les réseaux sociaux, les plateformes de stream, Hitbox, Daily, Twitch et, sans vouloir et YouTube. Vanter, c'est grâce à moi. Et pour des mots. Donc vous pouvez interagir en direct, il n'y a pas de souci. Et après, n'hésitez pas dans les commentaires lorsque il ça sera en format vidéo. Très bizarrement. De laisser un petit mot, petit pouce vert. Il a l'air tout perturbé. Il est aussi apathique qu'une carotte. Ah, c'est parce que je lui ai fait il mon a signe dû de manger une mauvaise herbe ou je ne sais quoi. Votre attention, je vous prie. Préparez-vous pour un spectacle inédit. Celui d'un homme assez audacieux pour avaler du feu. Il faut aller voir ce tour. Je n'ai rien vu de tel de mon vivant. Les gosses, ils sont un petit peu près, non? C'est un peu dangereux. Non? De toute façon, s'il fait quelque chose, je le bute. Je le bute! Mais reculez, les gosses! Mais vous êtes malades! C'est du feu, quand même! Je suis désolé, ça saccade un peu les cinématiques. Je sais pas pourquoi ce jeu... Je fais tourner à 30 FPS facile. Et dès qu'il y a des cinématiques qui tombent à 20... Enfin, dès que c'est en dessous de 24, de toute façon, vous voyez de la saccade. Ah, Shani, elle est contente. Oh, derrière, il y a une vieille qui se fait un monsieur.
si elle a cramé les arbres, le con. Ah non, je voyais le chou qui regarde dans les... Ah, les arbres, ils brûlent. Encore un étranger qui débarque de ah. Ok, on va manger un jambon. J'ai mon premier contrat de sorceleur. J'ai trouvé et sauvé le cracheur de feu. Si ah, j'avais droit à une seconde vie, je serais sorceleur, c'est certain. Ah mais cette démarche, elle est horrible, regardez ça. C'est horrible comme démarche. Ah. On trinque aux jeunes mariés. Oui, c'est quoi ça? Pas me le dire deux fois. C'est qui? C'est elle qui se planque là? Bonjour, monseigneur. Quoi? Bonjour, monseigneur. Wow. Oui. Pourquoi j'ai un... J'ai un point disant qu'il y a une quête et au final, il n'y a rien. C'est plutôt étrange. Oh. Faut aller voir un autre. Madame, bonjour. Parmi toutes ces fleurs, ma chère, vous êtes la plus belle. Vous devez prendre pour une autre, jeune homme. Pas du tout. J'aime les femmes comme les pêches, avec du duvet et bien mûr. Oh. Fichez le camp. Vous êtes ivre et en rut. Ah mais c'est dégueu. Ah mais à ressortir ça les gens quand vous draguez une femme cougar hein, comme on appelle. J'aime les pêches bien mûres avec un peu de duvet. Ah, il y a la fête ici, il y a de la musique et... Oh, le galu, comment il danse? Ah, génial! Oh, le Rouskov tout bourré, là. Excusez-moi, mademoiselle. Ah, il y a des nains. À la vôtre, messieurs les nains. Votre en fait, il faut trinquer, pousse, d'accord. Mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds. Aux jeunes amoureux. Ah. Le désir dure toujours. Du coup, on est bourré. Pardon, Chani. Oh bordel, eh c'est... En un verre, Gérald il est bourré. Ah bah c'est bon, c'est pas rapide ça va. Eh je vais danser avec une madame. Oh non, non Gérald. Non fais pas ça. Ah c'est horrible. Oh Gérald, crédibilité zéro. Non. Ah il fait d'autres pas. C'est quoi qu'on peut pas dézoomer? J'ai voulu voir ses pieds là. Allez, va-t'en, Gérald. Quel charme, quelle grâce. Oh mon dieu. Jamais on aurait pu voir Gérald. Si, il faut manger maintenant. Il faut parler à. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Bah, va te faire foutre alors. Je peux pas manger, j'aimerais manger un bout, s'il vous plaît. Allez, roulade. Ah bah, je pense qu'il faut que je mange un bout, mais j'arrive pas à attraper. Ah mais cette démarche, mais autour de sa taille là, comme ça. C'est les. La mariée sera couronnée, amie. D'ici là, amusez-vous. Bon, on va aller ailleurs. Il y a plein d'autres activités, de toute façon. Regarde ces imbéciles se vautrer dans la fange pour attraper un cochon. Ah, il y a un truc à faire. Quel est ce sport? Vous courez après des cochons, c'est ça? Les gars font la course pour être couronnés roi des porchers. Super titre. Le prix on adore. Avec pour leur gueuse. Enfin. Oh, j'ai une belle coupe, et les gens, les magnifique. Il faut être fils de porcher pour y participer? Non, n'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. Allez, on va chasser les cochons, ça peut le faire rire un peu. C'est absurde, mais pourquoi ne pas essayer? Vous nous feriez un honneur. Sortez cette cloche de là! Il attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors vous l'imaginez rentrer un cochon? Il l'a tué. Ah génial. Ah oh, putain, et Gérald il se trouve dans des situations monstrueuses. Allez, cochon jaune. Dommage qu'il n'y ait pas de peintre ici. Il faudrait immortaliser ça. Regarde-moi faire, Chani. Je suis rapide comme un chat et rusé comme un renard. Ces idiots vont voir comment on chasse un cochon. Allez, mon Gorette, ton oncle Douillette attend. Mais comment on peut agir dessus?
Allez, cochon. Non. Qu'est-ce que tu fais? Va là-bas. Va là-bas, sale cochon. Mais on va jamais y arriver. Tout droit, tout droit. Non, c'est où leur truc, au fait? C'est où leur case? C'est ça, là-dedans? Non, c'est là-bas qu'il faut les mettre. Allez, les cochons, on y va. Ah, il me suit. Il me suit maintenant, c'est ça? Ouais, il me suit. J'ai l'impression qu'il me suit. Allez, viens, petit cochon. On triche un petit peu, mais c'est, faut pas le dire. Allez. J'ai vu ça, Shani. J'ai rentré un cochon. Viens, cochon. Allez. Trop facile, eh. On triche un petit peu, mais bon, on va pas s'amuser à courir après les cochons. Allez. Cochonou, le boss aussi, ça. Comme on l'aime dans les clous. Ils sont pas trop bêtes, les paysans. Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés? Ok, oui. Oh là, maître sorceleur. Oh, il se la pète un peu, là, du coup. Quel tour vous nous avez joué avec vos gestes bizarres? Je sais, j'ai déjà vu ça. Un sorceleur a envoyé un gars se pendre. Il a dessiné des fleurs de la main et le type a perdu la boule. Vous avez triché alors? Non! Vous serez donc pas couronné roi des porchers. Oh, je suis déçu! Je suis tellement déçu! Que dit Gérald dans ces cas-là? Bordel? Oui, exactement. C'est vrai qu'il dit bordel en plus. Bordel? Quant à moi, je vous dis d'aller vous fourrer un râteau dans le cul, stupide paysan. Oh la vulgarité, il y aura un Peggy 18 ici. Porcher? Viens, Shani, j'en ai assez de ces pecnos. Pecnos! Alors j'ai regardé l'épreuve il y a pas longtemps. Expression non utilisée depuis 1231 après Jésus-Christ. Vous vous en faites pour ce cochon? Inutile. Nous sommes ici en couple. Je voulais gagner cette chose pour toi. Franchement, ça n'a aucun... T'aurais été la reine des cochons, madame. Ça te plaît pas? Ça te plaît pas, la reine des cochons? Dis-moi, Shani, quel est le secret avec toi? Deux doigts. Ça j'ai dit ça, moi. Je te fais la cour, tu le vois bien. Mais tu restes insensible à toutes mes avances. Alors je me demande ce que je fais de mal. Vous n'êtes peut-être pas... Salut à Pic sur Hitbox. Vous y avez pensé? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment? Prouvez-le. Qui me dit, oh oui, ma détente du vendredi, mon pecno. Montre-moi une fille. Donc voilà, les gens, vous pouvez venir interagir en live. On a rien de temps. Vous pouvez aller voir sur le site, hein, je vais faire quelques articles et dire quand est-ce que je fais quel jeu. Excellent en live, en vidéo live. Maintenant, regarde Vladimir Venevrek à l'œuvre. Allez, on va les draguer. Tiens, mais qui voilà? On se connaît? C'est quoi ces cheveux? Mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Ah non, la drague des médiévales, c'est ça, ça tue, quoi. Ne sabote pas tout, Shani. Ce ne serait pas juste. Ah, il va l'engueuler. Très bien. Je resterai à l'écart. Oh non, non, Gérald, arrête là. Ma belle, tu es un miracle. Ou, tu ne t'es pas fait mal en tombant du ciel, mais c'est ringard, tous les deux. Vas-y, on fait la première. Ah, ma douce, tu n'es pas une simple fille, mais une merveille de la nature. Ah non! Et le destin vient enfin frapper à ta porte. Oh non, ça lui plaît, sérieux? Mais... je sais pas trop. C'est un homme, c'est un tu homme en fait. Tu n'as pas à réfléchir. Je peux m'en charger. Pour nous deux. La ringardie médiévale du Jipix. Une vraie... Ah mais avant c'était bien, avant c'était... Côte à côte, nous savoir bien parler comme ça, c'était... Salon. C'était salon aimé. Vraiment? À Novigrad? Mais comment... À Novigrad, à Oxenfurt ou même au Kovir, où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus tu vite. Tu iras, j'irai. Nous pourrons même temps. C'est quoi ces zooms là? Neski, écarte-toi de cet homme. Qui diable êtes-vous? Les frères de cette jeune fille. Et oh merde, les frères! Notre père sur son lit mort de la protéger des gars de ton espèce. Puis qu'il me dit maintenant c'est check mon poteau, bisous sous la couette. C'est vrai que maintenant il n'y a plus cette étape de faire la cour, tout ça, ça n'existe plus maintenant. Bah, c'est devenu ringard évidemment. Comme tu dis tout à l'heure, la guerre ringarditure, mais avant c'était ringarditude, mais avant c'était super bien. Enfin, je veux dire, pardon, je ne savais pas, on va être Toto, sympa. Il n'y a pas de mal.
Je discutais oh, chaise, en tout bien tout honneur avec une jeune fille. Je vais même me remettre. Les mariages sont faits pour ça. On t'a très bien entendu. Tu voulais la tirer dans la grange. Oh. Tu comptais y faire quoi? Oh, le vulgaire. Pour suivre la discussion. Naturellement. Mais bah, qu'elle me fasse les ongles. Danser. Il faudrait être idiot pour ne pas avoir envie de danser avec une beauté pareille, non? Trouve-t-on une autre. Ou bien c'est moi qui te ferai danser à coups de piquet de couture. Gérald, vous avez vu? J'ai tenté de résoudre ça pacifiquement, mais ils veulent se battre. S'ils y tiennent, eh bien ça devrait être amusant. Il y a des piquets de clôture là-bas. Alors, des baloches ont mis des voiles? C'est la goutte qui fait... J'ai pas envie de me battre au mariage de l'ami Achani, là. Vladimir von Evrek d'être un lâche. Du calme, les gars. Je ne veux pas me battre. Dommage pour toi. Parce qu'on va tanner le cuir, sale mouton. Ça suffit! Bon. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Je crois qu'il est pas content. Je sais c'est plus la touche pour parer les coups. Pas besoin merde. De me le demander de fois. Oh putain. Il est pas content, hein. Allez, on va s'abattre du... Ah, dans la porcherie. Un pique de clôture. L'arme parfaite contre des bouseux puants. On se voit en pleine gueule. Nob de mes dents. Ah, ils sont trois, je suis tout seul, hein, par contre. C'est marrant. Franchement, c'est fun. Ils l'ont bien fait, leur truc, hein. Je ne m'étais pas autant amusé de toute ma vie. Approchez. Qui veut se faire assommer? Ce maudit crétin m'a écrasé. C'est embarrassant de se faire battre par un malotru. Surtout sous les yeux d'une jeune fille. Allez, bim, bim, bim. Enchaînement, coup de tête, balayette, retournez. Vous avez votre envoyé compte, du balai. Dépouilleux. Vous vous pensiez de taille face à un von Evrek, ou plutôt à un sorceleur? Du vent, hors de ma vue. J'ai assez vu vos gueules de rustre. Elle est contente ou pas contente, la sœur, là, du coup? Elle est impressionnée ou elle va se barrer où aussi? Où vas-tu, mon amour? Mon amour! J'allais faire de toi une dame! Gérald, expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors? Rattrapez-la! Dans vos rêves. Eh, ouais, voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça mais qu'est-ce que j'y souvent. Peux? Je courtise une dame, les frères ils viennent me faire chier. Du coup je les sabatte et elle se barre. Fallait que je me fasse battre? Peut-être que si je perdais, elle m'aurait consolé. Je sais pas. Bien, je vais essayer. Oh oh, Chani approche. Oh merde. Elle ne va pas être ravie, hein? À se battre à la mariage de sa copine? Je vous laisse lui expliquer. Bon, d'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères, hein, c'est créatif. Elle fout de ma gueule. Je vais le garder en réserve. Je peux te montrer si tu veux. Ma beauté, je ne manque pas de réserve. Et je peux te le prouver. Pourquoi pas derrière cette grange? Vous avez prouvé assez de choses. Oh mon dieu. C'est trash quand nous même, hein, c'est... Simplement, d'accord. Eh bien, va dans la paille! Allez! Les désirs sont des ordres, mon ange. Je ne peux rien refuser à un si joli minois. Allons-y. Je sais pas ce qu'au médiéval ils appelaient par minois, mais. Ah, moi j'ai mon idée. Un morceau entraînant. Allons-y. Ah, j'ai eu peur. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas bon ménage. Mais si! Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Dansons. Ah, mon amour, allez, viens, dansons. Plus vite, jusqu'à la mort subite. Petite maison en prairie. Et pourquoi il n'y a plus de musique? Ça manque de musique. Ah, par contre, désolé, les saccades. Dès qu'il y a trop de mouvements dans la cinématique, je galère, je sais pas pourquoi. Mon PC, il aime pas. Désolé pour ces petits freezes. Ça empêche pas, on voit quand même la scène principale, hein.
Ça doit un petit peu saccader chez vous, j'en suis trop navré. La paille au Moyen-Âge est maintenant sous la couette. c'est ça, Pix. Oh, elle est passée à travers, madame. Je crois qu'elle va accepter que je la découvre un peu plus. Un cadeau pour nos invités d'honneur. Sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Chani. Un peu de musique douce pour mon tourtereau. Enfin, je vais pouvoir m'aller. Viens, Chani. Enfin, je vais pouvoir le niquer. Olé. Ah, elle commence à tomber sous le charme quand même. Regardez-moi ça. Bon, s'il y a une scène de sexe, je pourrais pas cacher ni faire de Peggy 18, j'en suis navré. Mais y a pas la musique, y a un bug. Vous vous débrouillez plutôt bien. Y a pas de musique, je suis déçu. On va la faire nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il paraît que la danse est un avant-goût. Je connais pas la suite. Une autre chanson d'amour. C'est un fou. Putain, je connais pas, je fais pas de slow. Juste par interaction intime. Oh, c'est un processus biologique fascinant. C'est un sujet qui devrait intéresser une femme de science comme une interaction intime pour dire une partie de jambe en l'air. Tranquille. Ça te dit de faire une interaction intime avec moi? C'est quoi cette danse là de la main? Tu vois cette. Si t'as pas compris, alors vas-y, touche dans ma main. Et poursuivre notre sujet d'étude sans risque d'être interrompu. Ah, j'adore les métaphores pour dire je veux te baiser quoi. Ah, de faire voir la culotte. Le morceau touche à sa fin. Ouais, bah y'a pas de morceau depuis le début. C'est de la valse, para, tu me. C'est de la valse, ça. C'est de la valse de l'époque alors. Hein. Oh! Waouh, la feinte, génial! Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, vous je t'embrasse. Avez perdu l'esprit. Oh que oui. L'esprit et le cœur. Pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris? Pas contente, hein. Je n'ai pas pu résister. Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. Une claque d'être gif la prochaine fois. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je demanderai avant. Promis. Je peux te sauter, Chani. Avec une belle comparaison comme on aime. Est-ce que je peux t'embrasser? Vous êtes incorrigible. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Et pourquoi? Ce triste sire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Je t'emmerde, hein, Coco. Bon, d'accord. Si je viens préparer le terrain, n'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler? Non. Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. Allez, non, je n'aime pas danser. Gérald, il veut juste la... Si ce n'avait tenu qu'à moi, on n'aurait probablement pas dansé du tout. Vraiment? Arrêtez, bordel! Vous allez tout gâcher. Quoi qu'il en soit, tout, je suis franc. Une fois minuit passé, j'ai bien l'intention d'oublier cette soirée. Je vois. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... Enfin, votre danse? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Qui est-ce? C'est Gaunter, de Murray. C'est qui? Le maître dit rien, miroir. Lui. Ah, c'est lui! Bah oui, je suis con, j'avais même pas fait gaffe. Posez-lui la question, ce sera plus simple. Il est venu voir si je réalise bien les vœux. Oui. Il n'est pas ici par hasard. L'autre derrière, gars, elle va se casser la gueule. Si ça se trouve, il était dans les parages, et il a entendu de la musique, c'est tout. Bien sûr, non, oui. Ça m'étonnerait. Tout le monde s'invite à un mariage tranquille. Cet homme-là ne fait jamais rien par hasard, croyez-moi. Bon, merde alors.
Ça fait bien 5 minutes que je suis là à vous écouter au lieu de m'amuser. Allez hop, j'y retourne. Ah, c'est beaucoup mieux. Viens, Shani. Ne perdons pas notre temps. Allons dans la grange. Il cherche que ça, le type. C'est hallucinant. Ah, j'ai un jour pour m'amuser. Bah, je veux baiser. Baiser. En fait, c'est l'esprit de Damien Baiser. Pour ceux qui connaissent, hein. C'est juste de la farine, du miel, des œufs et des épices. Détrompez-vous, madame. Vous oubliez l'ingrédient le plus important. Le temps. Le Qu'est-ce temps. Que c'est que ces foutaises ? Chut ! Vous le saurez si vous écoutez. Le temps. Mais n'importe quoi, Pix. Comment ça pourrait être un ingrédient ? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux moelleux à l'intérieur. Eh, je regarde pas une émission de cuisine là. Qu'est-ce que je viens foutre de la vieille. Aucune recette. Tu vois, qu'est-ce que tu fous là? Il faut écouter vos sens. Les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer. Elle a au moins 80 balais, tu penses qu'elle a le temps ou quoi? Le temps. C'est de l'argent. C'est la clé. Non, c'est de l'argent. Le temps, c'est de la thune maintenant. Bonjour, Shani. Je me présente. Gaunter de Murray. Quelle robe. Puisqu'il nous dit bienvenue chez Maïti Cuisine aujourd'hui. Alors, on va faire une anguille. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous. Oh merde, l'anguille s'échappe. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est très simple. Je sais à peu près tout sur tout. Par contre, pas d'épices, je vous conseille la carbonade flamande si vous venez dans le Nord, les gens. C'est trop bon. Il n'y avait pas pire frère que vous. Que vous avez envié Holger de Créteau et que vous avez toujours voulu être comme lui. Foutaise. Je n'ai jamais envié mon frère. Bien sûr que si. C'était un vrai modèle. Holger ne courait plus vite. Visait mieux, soulevait plus de poids. Il c'est un grand frère, quoi. En premier, c'est normal. Malgré tous vos efforts pour le battre. La race qu'on joue pour la bière. Il a eu non, vaut mieux. Qu'il voulait. La carbonate flamande a la queue de charrue, c'est trop. Contentier des restes. Une petite race cochon pour boire une bière, pourquoi tu pas. Tu dois entendre tout ça, Chani. Cessez de vous faire des illusions. Non, bière ma préférée, c'est la Rochefort. La Trappiste Rochefort. La même 10. Mort, vous ne restez que le pâle coq. Parce qu'il y a 8, 9 et 10. Il y en a 3. Oh, au fait, Holger est bien meilleur danseur. Sale menteur, c'est mon frère, je l'aimais. Alors demandez-vous, s'il tenait à vous autant que vous teniez à lui. Mais oui. Il a fait de moi un héros dans la mort. Mais il essayait de faire la merde, lui, il a occupé de niquer sa journée, là. Je n'ai guère été vaillant. 5 hommes m'ont attaqué et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans une cave, mais ils m'ont acculé comme un rat. Pourtant, Holger a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça. Holger se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule, parlant du bon vieux temps. Il ne me voit pas, mais j'entends tout ce qu'il dit. Eh bien, il y aura peut-être quelque chose de très surprenant. Où voulez-vous en venir ? Ouais, je vous ai assez dérangé. Passez un agréable moment. Le temps passe. Et le temps passe. Shani, je suis désolé. Ce n'est rien. C'était... Ah, oubliez-le. Nous sommes ici pour nous amuser, non ? Bah oui, mais tu veux pas... Tu veux pas faire t'amuser avec moi, madame ? Donc voilà, quoi. Voilà. Moi bon, aussi, il faut que je mange un truc là. Je ne crois pas un traître. Ne le laissez pas venir. Holger, qu'est-ce qu'il fait, le Gérald? Il fait n'importe quoi. Et du coup, j'ai la voix de Maïté maintenant. Je vous crois. Prenez goût à la fête. Autant vous écouter. Je crois qu'il faut que je mange un truc dans le plateau là, mais il n'y a aucune interaction. Bon, tant pis, on se barre. Parce que si je fais start et la carte du monde. Voilà. Ils me disent quoi?
Mort en quoi, en gouette. Participe aux festivités. On va aller faire autre chose. Attends, hop, j'ai pas le bout du chat de Hitbox là. Ah, Hitbox il est chiant, il va loin. Attendez, je fais un petit réglage, désolé pour ceux qui sont sur la vidéo, c'est des moments perdus. C'est bon, on est reparti. Voilà, on va faire une autre activité là, bah il y en a une à droite. Bah, c'est pour boire un coup ça, hein, je pense, voilà. Vivez avec nous. Je ne dis jamais non à une dame. Il est 22h. Encore 2h à s'amuser avec le fantôme dans mon corps. On se demande par où il rentre d'ailleurs. Assassin, 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 c'est essentiel de savoir s'assassiner sans s'en tirer. Vive les mariés! Vive les mariés! Ici, il y a un truc. Oh non, ils font du Gwint! Non, je suis nul au Gwint, mon deck il est pas bon. De Gwint, peut-être. Avec plaisir. Oh non, ils vont me défoncer! Enfin, inutile de l'insulter! Bah oui. Désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Si c'était vrai, vous ne l'auriez pas traité de demi-portion. Je me suis excusé, d'accord? Je suis pas bourré, ce truc une goutte, nous dit Pix. Ça suffit, taisez-vous. C'est vrai qu'il est. Joué. Messieurs, j'aimerais bien avoir cet alcool jour. Parce que t'es bourré. 30 Alors, secondes. Qu'est-ce que vous pariez? Entrez. Tout. C'est bon. Tout ce que j'ai. Quoi? Mais non! Non, fais pas ça, toi! Vous étiez un flambeur. Mais fais pas ça, Gérald! Plein de surprises. Enfin, l'autre. Vladimir. De grandes surprises. Mais non! Mais non, j'ai pas un deck fou! Ils vont me défoncer! Non! Nous jouons, le perdant doit porter ce bonnet d'âne. Peu importe, je ne perdrai pas. Non. Non! Non, Gérald, t'as fait le fou là! Putain. Mais tu vas me sortir des cartes de malade. Putain. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ça va, on a des belles cartes. On va juste remplacer ça. Ah putain, attends, il faut juste que je regarde un truc. Je sais plus c'est quoi, il fait pas un. Est-ce qu'on garde tout ça, les gens? Vas-y, on va essayer de jouer avec ça. Je vais me faire défoncer. Tu as toutes mes bourses! Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Alors. On va se mettre au corps à corps. On verra ce qui se passe. Alors, je mets 5, il va mettre combien? Du 2. Ça va, mais elle fait un truc sa carte. D'accord, il a ramené ses copains. Ok, super, génial. Bon, on va mettre un deuxième cac. Voilà, on passe à 9. Bon, pour ceux qui comprennent pas le jeu, c'est pas évident d'expliquer. Et lui aussi, il va ramener plein de ses potes. Putain, je vais me faire défoncer. Il a combien la 9? Alors je pense que si je passe la partie, il y a moyen de gagner. Mais il a utilisé que deux cartes et moi aussi. C'est quoi? On va passer, on va perdre cette manche volontairement. Voilà l'adversaire, comme ça il va utiliser une carte. Voilà, il a utilisé une carte et il va gagner. C'est fait exprès. Je voulais qu'il gagne cette partie. Pourquoi il meurt pas? D'accord, sa capacité c'est que son monstre il reste en vie. Ouais, pas de problème. Votre adversaire a passé. Ah, il a passé, sérieusement? Ouais, bah tiens. Hop. Je gomme, mais je reviens. Ok, bon appétit, Pix. Ouais, c'est du live, hein, les gens. Évidemment, je vous souhaite un bon appétit au jeu. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. Allez. Boum. C'est go qu'on n'a pas une carte beau temps. Oh putain. Oh putain, il met du corps à corps. Attendez, ça fait quoi déjà? Réduit bien là, toutes les combats rapprochés. Oh, on a un froid mordant, ça c'est magnifique. Oh putain, il va prendre tellement cher, j'ai un froid mordant. Vas-y, mets tout ton paquet, vas-y, je t'en prie. Et
T'as le problème, c'est que s'il a un truc pour contrer le froid mordant, je suis dans la merde. Je suis dans une belle merde. Putain, il a 49, ce fou. Bon, allez, s'il vous plaît, il a pas de beau temps. Il a pas eu de beau temps. On va lui foutre un froid mordant dans la gueule. Allez, bim! Non, pas de beau temps, pas de beau temps. Non, il a pas de beau temps. Il a un truc à distance qui fait... Ah, putain. Et ça, ça concerne... La durée de force de toute ligne. Combat à distance joué par votre adversaire et vous. À distance, ouais, mais c'est à distance les archers ou c'est... De toute façon, on va tout mettre, on verra bien. Hein. En tout cas, il avait un DAC... Il a passé. Ça veut dire que j'ai gagné. A passé. J'ai gagné. Magnifique. Wouh. Vous avez rien compris, je suis sûr. J'ai bien fait de perdre ma première manche. J'ai gagné, l'ami. À moi la victoire, à vous, oh yes. Bonnet d'âne. Dommage, il déjà, de façon... j'aurais bien voulu vous voir avec ce bonnet sur la tête. J'ai pas un deck terrible, ça en plus je l'ai défoncé. Je connais d'autres moyens de me rendre intéressant. Je pense que s'il avait une carte beau temps, j'aurais été dans la merde. Je vais y réfléchir. Bon, buvons un verre en l'honneur des mariés. Oui, buvons. La vie est trop courte, mes petits amis. Au sorceleur et à sa fiancée. Bon, tout est bien qui finit bien, ils sont contents. On est bien, ils sont contents. Hein ? Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi donc ? Que doit aller derrière la grange ? Nous devrions nous comporter en jeunes tourtereaux. C'est-à-dire ? Je te courtise, tu me résistes, mais tout le monde connaît la fin de l'histoire. Ah. Et je te saute, mes amis. Mais la nuit ne fait que commencer. On a gagné une partie de Gwyn sans charger mille fois les choses. Ça c'est bien, d'habitude je recommence mille fois avant de gagner une partie de Gwyn parce que mon deck est pas optimisé encore. J'ai pas été chercher toutes les cartes. C'est une véritable beauté. Par contre j'aimerais bien modifier chef, voilà. Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et jouez-la instantanément. Donc voilà, brouillard impénétrable. Et ça faisait quoi déjà? Zoom. Donc ça c'est tous les trucs au cac. Plus maintenant. Combat de siège, donc voilà, le brouillard c'est vraiment pour les archers. C'est très bien. Donc moi il faut pas du tout que je joue archer avec ce deck là. Tout simplement parce que ça pourrait ruiner mes trucs. Alors là bah il y a une activité. Il est 23h. Ah mais non, mais c'est le truc où j'arrive pas à bouffer, je suis con. Mais j'aime bien le fait que la musique, quand on rentre dans le bâtiment, ça gueule. Évidemment, on est en plein dans le concert. Et quand on y sort, ça s'entend moins. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, une belle madame. Bonjour. Il fait un concours d'apnée. T'as vu ce qu'il a sorti de l'eau? Un vieux pont. Peut-être que sa femme emporte au pied. Au cas où elle trouverait pas de latrine. Oh, c'est méchant, il est vulgaire, tu le monsieur. Je devais empêcher mon escarpin. Je peux pas danser avec un pied nu. C'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché, chérie. Juré. Il est pas là. La vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans. Fouille. Quel Eh hey, madame, je peux y aller pour toi. En contrepartie, hein. On se connaît, hein. Hein, on sait ce qu'on veut dire. Là, qu'est-ce qui se passe? Il joue à Au pied de la belle. Vous ne connaissez pas? Non, du tout. Les gentilshommes se divertissent autrement. Quel est le but? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Qu'est-ce que j'aurai et si je récupère la godasse? Je l'ai récupéré. Eh bien, votre dame sera contente comme tout. Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile. C'est utile. Tout. Pas de récompense. J'aime bien le truc même utile. Ça dépendra de votre dame. Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne l'y oblige. Ah, on va négocier avec elle alors. Elle se regarde. Bermazette. Oh. Vous n'avez pas tout vu. Oh non, non, range-le. Fais pas le fou. Je suis à poil. Shani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Elle va acheter sa godasse.
Mais après, elle aura sa chaussure, mais mouillée, c'est con. C'est vachement con. Faut que je la sèche aussi. Yata! Regarde, Jenny. Alors, comment qu'on plonge? Je ne vous quitte pas des yeux. Comme ça. Où est-ce qu'elle est, sa pompe? Elle est là. Chaussure perdue. C'est quoi? Et une deuxième chaussure perdue. Vas-y, je vais ramener toutes les chaussures de toute la fête. Ils seront dégoûtés, les autres. Je vais ramener les chaussures de tout le monde. Bah, tous ceux qui n'ont plus qu'une godasse, et bah, ils auront chaussures à leurs pieds. Il n'y a plus l'air d'en avoir. On va remonter. Hop les. Allez. Qui veut être dégoûté? Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure. Et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie Génial. Leçon de vie. Basée Génial. Sur l'expérience, si j'approche Gardez ce proverbe en tête, les gens. Escarpin, par exemple, elle troussera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, oh, c'est ah, si généreux et malin. Ah, l'image, génial. Je crois avoir mérité un baiser, non? Baiser! Le propriétaire d'une de ces chaussures acceptera peut-être? Ne sois pas jalouse, Shani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon? Ma chaussure. Mm-hmm. Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire... oh, je vais te la mettre et il a fait... non, Merci. Je veux dire... Bien, t'as un pied mouillé maintenant, t'es contente? Vas-y, je vais donner la chaussure aux autres. Rien de tel que de piquer une tête. Faisons autre chose à présent. Une chose folle. Une chose folle. Là, il y a une grange, qu'est-ce que c'est? Il est 23h59, donc ça va être la dernière chose à faire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fight? Les demoiselles d'honneur doivent être près de la mariée pour le couronnement. Ah, c'est le couronnement, d'accord. Je peux me débrouiller. Je croyais qu'il y avait un combat de nana là, que le combat de boue. Ouais, tout. Ils allaient se défoncer la tête. Mais non. La déception. Mesdames et messieurs, cette nuit j'ai tant goûté au plaisir de la vie que j'ai décidé de faire un discours. Gérald, ce n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il fout? Très bien. Si c'est ce que souhaite l'assistance, je me tairai. Mais j'aurais fait un beau discours. Il est bientôt minuit, c'est l'heure du couronnement. Tu es demoiselle d'honneur, Shani. Installe-toi. Minuit a sonné. Il est temps qui dégage de mon corps, là. Couronnement. Quelles pensées animent les jeunes gens? Quels rêves leur font bouillir? C'était quoi ce coup d'assiette, là? Qu'ils soient bons ou impurs. Il y a des petits problèmes de son. Ou noble. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois il n'y a plus de musique. Pendant cette heure de danse. Tout le monde dit danse et il n'y a pas de musique. Ah, si je bouge trop, mon fond vert est merde. Ah, c'est ça le couronnement? Une crêpe sur sa gueule? C'est quoi ça? Allez! Sur la tête de Shani! Comme le veut la tradition, celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier. Avec Gérald? Non. Bravo, bravo. Il est minuit, casse-toi de mon corps. Ok, tranquille. Il fait quoi? Il écrit avec son sang. Prends tranquille, pépère.
C'est ma main, je te rappelle. Hein. Même si toi tu ressens rien, moi j'ai mal. Bah oui. C'était vraiment nécessaire. Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable aux noces d'Olgierd. C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots. Vous lui donnerez ma lettre ? C'est pour son frère, d'accord. D'accord. Merci. Vous êtes un chic type, sorceleur. Rabat-joie, mais chic. Chic type. Il a dit que j'étais un chic type. C'est bien, non ? Je suis un chic type. Yeah ! Quelle coutume charmante ! Pourquoi ça gueule d'un coup ? Des filles rougissantes qui dansent en rond, les cheveux dénoués, le corsage ouvert, la poitrine. Vous n'avez pas fini. Vous avez vu ? Shani a attrapé la guirlande. Elle sera la prochaine à se marier, d'après leur superstition. Oui, possible, peu importe. Il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte. Désolé, il me reste des choses à faire ici. Le fantôme de Vladimir est parti ? Vous voyez ? Elle me réclame. Je me manque déjà. Je suis là, ma tulipe adorée. Eh, hey, minuit passé, m'emmerde pas. Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige. Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi avant d'en avoir reçu un autre. Ou autant qu'il te plaira. Vous semblez vous être amusé. J'en suis contente. Un baiser. Je savais que ça finirait ainsi. Mais ce n'est qu'un début. Non, c'est bien fini. Il est plus de minuit. Votre heure est venue. Et inutile de s'en faire pour ça. La mort n'est pas venue s'emparer de moi. Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête ? Qu'en pense Geralt ? Vous avez donné votre parole. Shani, ma chérie, je suis mort. Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre. Vladimir von Evreg. Veuillez retourner apparition. D'où vous venez. Restez en dehors de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Arrêtez ! Je vous en supplie ! C'est lui qui lui fait ça ? Disparaissez où je vous emmène. Et votre crypte mythe semblera un paradis en comparaison. À vous de choisir. Ne le torturez pas. Je promets de ne pas le tuer. Vas-y, arrête ! Il allait partir, on n'a pas eu le temps de négocier. Grand Dieu, c'était quoi ? Que lui avez-vous fait ? Je l'ai renvoyé d'où il venait. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. J'ai éloigné un apporteur. Vous n'aviez pas à subir son effronterie plus longtemps. Peut-être je lui fais passer une bonne journée, il le dégage comme un malpropre comme ça. Oui, je sais. Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre. Qui sait ? Ce sera peut-être différent cette fois. J'ai vu les regards que vous échangiez. Et il se trouve que je connais votre histoire. Bah oui, mais c'était pas moi. Oui ? C'était pas vraiment comment moi, ça ? Monsieur. Shani, ma chère, demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé ? Enfin, le plus important, c'est que Vladimir von Evreck ne vous ennuiera plus. J'espère qu'il a passé une bonne journée quand même, sinon le vœu serait mal exaucé, mais comme il a fait une lettre... Oh, j'aimerais rester plus longtemps, il faut se la faire. J'aimerais rester plus longtemps, mais... Ne t'excuse pas, Geralt. Je ne suis pas fâchée. Un sorceleur doit faire son travail, suivre sa voie. On se revoit après, madame. Il n'y a pas de souci, on se revoit plus tard. Quant à moi, j'en attendais peut-être un peu trop de ce mariage. J'ai dû me faire des idées. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peu importe. Je dois aller voir Aldona. Elle voulait ton zizi, Gérald. Tu comprends pas tout ça. Elle voulait toi. Elle te voulait, Gérald. Ouais, elle voulait. Et voilà. Le visage d'un homme qui n'a pas compris une femme. Parce que vous, vous la comprenez. Bien sûr. Les femmes sont simples. Le problème, c'est l'incurable bêtise des hommes. Les femmes sont simples. Votre ami bien va sûr, maintenant oui. Jouer la femme blessée. Apportez-lui des fleurs, un verre. Vous verrez, elle passera l'éponge aussitôt. Merci, mais je préfère me passer de vos conseils. Elle vous aime, et vous avez des sentiments pour elle. Ne réfléchissez pas trop.
Soyez honnête et spontané. Il n'y a rien de plus beau dans les relations humaines. Vous n'avez pas besoin de finir comme Aldona et Genus, des idiots éperdus d'amour, à jamais liés par un contrat. Profitez de la nuit. Saisissez votre chance. Retiens. Amusez-vous ensemble. La nuit. Au revoir. Qu'est-ce que tu me donnes des conseils sur les femmes, toi? Je suis Gérald de Rive, cher ami. Trouver de quoi remonter le moral de Shiny. Ah, c'est pas fini donc. Mais en attendant les gens, ça fait 50 minutes qu'on est sur cette vidéo. Donc je vais faire une micro-pause. Donc genre une ou deux minutes. Même pas une minute, le temps d'aller chercher une petite canette pour boire. Canette de soda, hein, pas d'alcool. On se dit à tout de suite. Si vous êtes sur la vidéo, faites un petit bond de une ou deux minutes. Ça devrait pas être long. À tout de suite les gens. Merci. Voilà, re les amis, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'étais juste me chercher un petit coup à boire. Santé à vous. Si vous nous rejoignez que maintenant, je rappelle que ceci est une vidéo live test. Donc on teste la nouvelle extension de The Witcher 3. Donc nous sommes en live sur les plateformes de diffusion de YouTube, Twitch, Daily et Hitbox. N'hésitez pas à venir participer sur les chats. J'ai monté l'escalier, je suis crevé. À venir participer sur les chats, si tu as un petit commentaire, tout ça, je réagirai en direct. Et pour ceux dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit, si t'es bien, un petit pouce vert, tout ça, ça me fera plaisir. Allez, on continue. On va arrêter le blabla. Donc là, apparemment, on va essayer de remonter le moral à Shiny. Ça devrait l'égayer, un peu d'hydromel. Une gorgée d'alcool n'a jamais fait de mal, mais je me demande si ça lui fera plaisir. Non. Je pense pas qu'elle veut boire. Est-ce une bonne idée? Non. Elle a peut-être l'alcool triste. Exactement, je pense pas que c'est une bouteille qui lui faut. De l'eau de vie de sorbier. Shiny aime les fleurs. Ça lui plaira peut-être aussi. Une gorgée d'alcool n'a jamais fait de mal, mais je me demande si ça lui fera plaisir. Encore de l'alcool? En fait, il y aura que des bouteilles d'alcool, je pense. On va aller voir le troisième truc. Bonne idée? Non. Elle a peut-être l'alcool triste. L'alcool, ça me tente pas trop. J'ai pas envie de la bourrer pour la bourrer. Des fleurs. Dis-moi que c'est des fleurs. Un sorbier. Shiny m'a dit qu'elle faisait des colliers avec les baies. Ah, c'est ça l'aimerait. Joli, mais est-ce que ça lui fera plaisir? Oui. Allez, je vais en cueillir. Je deviens un vrai romantique. C'est bien, Gérald. Ça va lui faire plaisir au moins. Là, j'ai le bouquet dans la main, ça fait con. Elle est où? Shiny. Toujours
Je croyais que tu devais voir Holgerd. On se voit si rarement tous les deux. Je crois qu'Holgerd peut attendre jusqu'au matin. Ah, bonne parole, Gérald. Holgerd, Shani. Tu n'as pas oublié que j'aime le sorbier. Je me souviens d'un tas de choses sur toi. Le mariage bat toujours son plein, mais tu as une mine d'enterrement. Pourquoi es-tu aussi triste ? Triste ? Moi ? Non. Ne. Mais en attrapant la guirlande, j'ai pris conscience d'une chose. Les années passent, mais je ne fais qu'étudier, vider des estomacs, ressouder des membres. Ah bah, t'es chirurgien, madame, c'est... Non. Tu m'as, moi. Pour combien de temps ? Un jour ? Deux ? Ne te méprends pas, j'apprécie. On est avec Yennefer aussi, hein. Il faut prendre ça en compte. Tu ne fais que passer. J'ai besoin de quelqu'un qui sera là chaque nuit à mon retour. Après une journée à panser des plaies, recoudre des entrailles, j'ai besoin d'un bon verre et de rire avec quelqu'un qui me changera les idées. Je comprends. C'est vrai, je ne pourrai jamais être là pour toi tous les jours. Mais j'ai toujours plaisir à te voir. Et je suis tout à toi, aujourd'hui. Eh bien, buvons à cette soirée dans ce cas. À cette soirée. Prost, qu'elle santé. Ne finisse jamais. Ah, belle parole, Gérald, belle parole. Les ménestrels ont dû forcer sur l'alcool. Ils chantent vraiment fou. Allons, marche. Bonne idée. Pas danser, Gérald déteste danser, donc allons marcher. C'est mieux. Je vais me remettre au fond de mon siège et avancer, sinon il va craqueler. C'était pas mal. Plutôt, oui. J'aurais même pu m'amuser si je n'avais pas dû servir de marionnette à un fantôme fou. Je dois quand même avouer qu'il m'a fait vivre des choses à côté desquelles j'aurais pu passer. Comme suivre un chien dans les bois ou te battre avec un piquet de clôture. Il y a aussi eu un baiser. Tu l'oublies ? Haha, moi vrai, j'ai pas oublié. Mais Vladimir y a mis tant du sien que j'en oublierai que tu y as pris part. Il s'est servi de mon corps. Alors je connais lapin. Et un gang de lapins, les gars. Ça on se casse. Bon vieux temps. Tu penses à Vizima ? Je me disais que tu avais oublié l'épisode Catriona. Mais non, c'était rien. En toile de fond. Sorceleur, n'oublie rien. Ce qui me reste le mieux, c'est l'ambiance, et y a les sentiments, les gens. Regardez, j'ai Ablette avec moi. Bonjour, Ablette. C'est vrai, j'étais débordé de travail, mais c'était le bon temps. Ce sont d'agréables souvenirs. Pour moi et que aussi. Je partage. Vous en faites pas pour nos finances, monsieur. Mes affaires sont florissantes. Bien, bah, tant mieux. Nous, on doit serrer les cordons de la bourse. Mais c'est les deux pères, non ? Pas un mot au vieux dragon. Elle m'en voudrait. N'ayez crainte, monsieur. Je serai muet comme une tombe. Entre hommes, on doit serrer les coudes. Je crois que c'est les deux pères de... monsieur. C'est Vassil. Non, c'est le marié. C'est le marié plus ou le beau-père. Papa, c'est ça. Si tu préfères. Merci, papa. Je suis honoré. Il a l'air un peu con-con. Buvons un coup. Oh, ils sont bourrés en même les temps, tous les deux, déjà. Les familles semblent se rapprocher. Quand on est bourré, on est con. Le père de la mariée et son gendre. C'est tendu au début, mais l'alcool les rend vite copains comme cochons. Je craignais que le mariage ne se fasse pas. À cause de l'écart de fortune ? Aldona n'était pas un bon parti pour la famille de Jonus. Pourtant, leur amour saute aux yeux. Ça fait plier les parents en général. Jonus. Oh, je ne sais pas. Un arbre. Ma mère n'accepterait jamais un prétendant indigne. Sur Xbox, comment ça va ? Même si je disais l'aimer et l'avoir choisi. Quel genre de prétendant est indigne ? Tous, pour l'instant. Tu ne lui présentes que des violonistes, des jongleurs et des sorceleurs ? Non. Mais elle voudrait que je choisisse un homme riche ou bien établi, avec de l'éducation. Il n'y a rien de mal à ça, si ? Je suppose que non. Mais un homme pareil, avec un minimum d'humour, ça n'existe pas. Bah voilà, oui. C'est moi. Sûrement.
Va dire ça à ma mère. J'ai de l'humour. Elle pense sincèrement que j'aurais dû trouver un mari à l'académie. Mais ça n'a pas été le cas. Elle doit penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Allons, Shani. On vit au 13e siècle. Les femmes vont plus à l'académie pour trouver un mari. Ah oui, on en 1200 quelque chose. Elles y vont pour apprendre, par passion. C'est ce que tu as fait. Ta mère doit le savoir. Tu as obtenu un doctorat, tu possèdes ton propre cabinet, tu es allé plusieurs fois au front. Tu es quelqu'un de bien. Rien ne cloche chez toi. Tu le penses vraiment ? Mais oui. Bien sûr. C'est là qu'on aurait pu répondre non. Non, je rigole. Conne. Là, on parfait n'existait pas, mais... Regarde. Je suis existe pas. Les braves frères. T'étais pas français ta phrase, Pix. Ils sont aussi raides que les piquets de clôture qu'ils ont arrachés. C'est ce que j'ai défoncé. Demande où est leur sœur. Ils ne pourraient pas la protéger d'un marmot dans cet état. Sans leur intervention, tu serais allé batifoler avec elle dans la paille. Elle était partante, je crois. C'était Vladimir, pas moi. Ne l'oublie pas. C'est mieux en Mais anglais. Si tu avais été à sa place, dans une situation un peu différente, disons que tu es à un mariage, que cette même fille n'arrête pas de te regarder en souriant, qu'elle vient vers toi et que tu sais parfaitement ce qu'elle veut. Que ferais-tu ? Oh, le dilemme. Oh putain ! Ah, c'est personne n'est parfait, mais je suis personne, c'est ça. T'as mal traduit, mon ami. Hein. Je te préfère, allez. Si Jaski était dans le coin, ce qui n'est pas rare, je la lui présenterais avant de filer. Je ne te crois pas. Tu ne sauterais pas sur l'occasion ? Je peux me passer d'occasion pareille. Tu as changé de style ? Disons que je suis devenu difficile. À t'entendre, on croirait que tu as déjà fait ton choix. C'est le cas. Une idée de la personne ? Ça sent le Peggy 18, les gens! Il est magnifique! Toi! Elle a pas dit toi, mais elle l'a fait comprendre. Je repensais à ce baiser. Quel baiser? Celui que Vladimir t'a planté sur la bouche avec la mienne. Il y a des gonds de si la sensation aurait été différente. Ça, je ne peux pas te le dire. Oui, il n'y a qu'une façon de le savoir. Allez! Peggy 18. les gens, si ça va plus loin, je vais devoir vous cacher des trucs. Hein. Alors, ton verdict? C'était mieux. C'est mille fois mieux. Je préfère de loin t'embrasser seul de mon plein gré. Cachez les yeux, ouais, fermez vos yeux les gens, ou corrige-moi sautez dans la vidéo. Alors regardez. Que Vladimir voulait plus. Sauf si vous avez 18 ans et plus. Il l'a dit ouvertement en fait. Exact. Il était très direct, il faut lui reconnaître ça. Par moments, ça a des avantages. Oui, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Alors, quels sont tes projets, Gérald? Tu as. Je savais pas qu'on pouvait bouger la caméra, regardez. Tu préfères rentrer maintenant? Je t'ai promis cette nuit, je tiendrai parole et je vais être direct. Même encore plus que Vladimir. Intéressant. Cochonne. Le plus intéressant reste à venir. Allez, avec un autre, la sœur. Les frères bourrés, ils sont fait niquer. Le ponton est pris. Plus pour longtemps, je crois. Oh, j'en ai 14 alors, hein. Tu vas faire quoi? Ah bah, comment le savais-tu? Je vais vous cacher la scène. Je suis clairvoyant. Je suis sorcellaire. En plus, il y a une taille, il y a une bouteille. Ah, good! Ouais! C'est dommage de cacher ça. En plus, si on la laissait là, une personne ivre pourrait la trouver et se mettre dans un état déplorable. Et j'ai juré solennellement de ne jamais faire de mal. Je suis clairvoyant. Du coup, il va savoir ce qui va se passer.
Et voilà, c'était juste une balade en bateau. Vous êtes dégoûté, hein. Emmène-moi jusqu'à la lune. Emmène-moi. I know you want to get it. Regarde, elle est juste là, au milieu du lac. Le moulin. Oh, les oiseaux, ils saccadent. Cette main géante. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'on fait généralement sur la lune. On tremplante des drapeaux. Allez, 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 J'espère que Yennefer est pas dans le coin. Qui est Yennefer, qui est ma copine officielle, on va dire. Oula, oulala, oulala les gens. Ah non, ça il faut pas que vous voyez. Ah non, ça c'est interdit. Regardez, moi je suis tellement plus beau. Ah non, ça je peux pas vous montrer les gens, je suis désolé. Regardez bien ma tronche, elle est belle ma tronche, non? Vous voyez pas? Vous aimez ou pas? Je suis beau, non? Moi j'aime bien vous regarder comme ça de très près. C'est super intéressant. Oh, c'est con, vous voyez rien, hein. Oh, j'en suis navré. Mais je ne peux pas tout vous montrer, évidemment. La TV, les règles de la TV ne le permet pas. Donc je vais garder cette scène là pour moi, hein. Vous avez qu'à jouer au jeu si vous voyez toutes ces scènes. Oh, on voit un téton. Ah, c'est dommage pour vous. Allez, je vous montre un téton, peut-être un petit téton. Oh putain. Oh, yeah. Hey, il est brut, Gérald. Hein. Ah, sur la cabane et tout. Tranquille, hein. Bon, on devine ce qui se passe évidemment, hein. Je vous ferai pas d'image. Mais petit coquin. Ça va, vous éclatez les gars? C'est bien, c'est cool, hein. Tranquille. C'est sympa, hein. Au moins vous avez le son, les gars. C'est comme un film érotique, hein. Je devrais même mettre un Peggy 16. Déconseillé au moins de 16 ans. Mais là on va se... Oh. Il a caché. Hop les. Non, on n'a pas vu de téton, c'est pas possible. Oh merde, j'ai fait tomber la manette. Hop les. Et le fond vert qui a tout merdé. Ah, moi j'en vois des choses. Allez, la sextape est finie. Merde. Ah, faut que je me rétrécisse. Voilà, bon, je suis désolé pour ceux qui avaient envie de voir, hein, mais j'ai pas de Peggy 18, ma vidéo est à tout public et en live, je peux pas faire autrement que ça. Déjà réveillé? Depuis un moment. Tu savais que tu avais 27 nouvelles cicatrices depuis notre dernière rencontre? Putain, elle les compte. Sérieux, ça t'éclate. Oui, ça m'arrive. On a atteint la lune. Hein? Tu l'as déjà oublié? Non. C'est pas le genre de choses qu'on oublie. Bon, non. Tout à fait. On dirait que tu le voudrais. Non. Je ne voudrais pas oublier ça et je n'ai aucun regret. Mais j'ai besoin de faire le point, seul. Genre comme si elle me dit, je dois réfléchir si je me mets avec toi ou pas. Janie, de toute façon, on n'a pas de choix qui est défaire, madame. Avant que tu partes, j'aurais un service à te demander. Oui. C'est à propos d'Olgjord. Il est plein de mystères, et j'ai dans l'idée que son histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Tu pourrais te renseigner, essayer d'en savoir plus sur lui. Oui. N'empêche, on passe presque 1h10 sur ce petit bout de quête, qui n'est pas terminé encore. À bientôt, Gérald. Il y a vraiment du contenu dans cette extension, c'est vraiment intéressant. Et l'histoire est vraiment cool, on fait vraiment des choses pas ordinaires. Hein. Regardez, aller à un mariage, se faire posséder, Gérald, il est totalement plus crédible. Et c'était génial. Bon alors, on met ses fringues et on va continuer l'aventure. En tout cas, on a fini cette petite partie de quête. Nickel. On va avoir mon XP, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, où on en est dans les quêtes? On est niveau presque 35. On va continuer nos quêtes. On n'a pas eu de quête secondaire. De l'extension, évidemment. Cette vidéo est consacrée que à l'extension. Vous verrez que des quêtes secondaires et des contrats. Et de la quête principale de l'extension. Ah, je fais des rototos au bord du coca. Et on va aller à Olgjord. On va aller voir Olgjord pour dire que on a fait passer une super journée à son frère et qu'il a fait un petit mot pour lui. Comme preuve. Ah, ici, il y a des nids de monstres, tiens. Un site abandonné. Donc ça vous voyez, hein, quand je dézoome, tous les trucs blancs, là, les points d'interrogation, tout ça, c'est des trucs secondaires que je ferai plus tard. Pas en live, c'est pas très intéressant. Les quêtes secondaires peuvent être intéressants en live, mais pas pour l'instant. Ablette, t'es où? Qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Merde. Montez level 100 pour cette scène érotique. Pourquoi tu dis ça? Je
pas compris. Là, ou pas. C'est bien, Tablette. C'est bien, Tablette. Allez. Oh, il y a un orage qui se prépare. Oh putain, il y a un orage qui arrive. C'est la merde, les gens. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans l'air. Putain, mais FPS, il tombe à fond, là. C'est bizarre. Attendez, je vais juste... Petit souci graphique. C'est pas normal que là, mes FPS tombent. Vidéo. Graphisme. Pourtant, je suis pas en grand chose. Hein. Vous voyez, je suis en moyenne. Nombre de personnages en arrière-plan, oui, qualité moyenne quand même, hein. Qualité texture, de l'eau, on s'en fout de l'ombre. Je suis déjà passé l'ombre qui est en basse. Niveau détail, curseur, hein, c'est déjà, je suis déjà bien bas, hein, traitement numérique. Anti-crénelage, oui, ça c'est sûr. Flou lumineux, non, netteté. Bah, elle est déjà basse, hein, on va pas la baisser plus. Non, bah je pense que c'est parce que c'est une région que j'ai pas exploré, hein, quand mon PC surface. Désolé si ça s'accale un peu. Pix, est-ce que tu peux me faire un petit retour sur la qualité du live, s'il te plaît? Parce qu'en fait je suis en dessous des 24 images secondes, donc du coup, comme vous le savez, hein, le... Merde, je me suis trompé de sens. Comme vous le savez, les images au cinéma c'est du 24 images secondes. Pour ne pas voir aucune saccade. Et là je pense que j'ai un petit peu de saccade vu que je suis à 21. Voyage rapide. Donc là on voit aussi que j'ai un panneau de quête secondaire, mais tant qu'on a le niveau, on reste sur la quête principale. C'est un peu mon Nindo. Alors, il est ici. Paradommage que je n'ai pas accès au channel Web TV pour t'expliquer. Et donne ta config et la qualité est bien sur Hitbox. Je vais te dire sur les autres. Non, mais si c'est bien sur Hitbox, de toute façon, c'est envoyé partout pareil. Hein. Je peux, si c'est bien sur Hitbox, tant mieux. Moi, si tu peux regarder sur YouTube principalement, puisque comme là on est vendredi midi, il n'y a pas grand monde qui regarde les streams. C'est surtout pour que le replay soit correct. Mais j'ai déjà regardé mes replays de The Witcher et c'était tout à fait correct. C'est pas le must du must, mais c'était pas mal. Bon, je rappelle les gens, hein, qu'on est en live, hein, sur un peu toutes les plateformes de streaming connues. Donc n'hésitez pas à venir faire un coucou. Vous tapez Fireteam TV et vous tombez dessus. Bien secoué. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il tape un tonneau? Bien manger, bien boire et pas. Alors, les hipsters, bonjour. Que font-ils? Ils s'amusent, comme des gamins de 10 ans. Vous avez des enfants, Gérald? Bah non, j'en fais, mais j'en ai non. Pas. Non. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes stérile. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Oui, les sorceleurs sont stériles, hein. Je sais pas si vous étiez au courant, mais... Vladimir vous passe le bonjour. Vladimir vous passe le bonjour. Vous lui avez parlé? Oui. C'est impossible. Mieux que ça. J'ai exaucé votre souhait. Nous avons eu une longue discussion. Ça vous intéresse? YouTube, ok, check. Merci, mon ami. Très sympa de ta part. J'ai accompli ma tâche. Votre défunt frère a passé une journée comme au bon vieux temps. Facile à dire. Pouvez-vous me le prouver? Oui. L'écriture de Vladimir, aucun doute. Qu'est-ce qui est écrit? On peut bon savoir? Bon travail, sorceleur. C'est tout? Ou vous avez autre chose? Je dois encore vous obtenir l'hôtel de Borsodi. Mais il y a un vœu d'exaucé déjà. Bonne chance. C'est fait. C'est tout, comme ça, fini. Putain. Olé moi. Taquine la bouteille toi aussi. Ah ouais, je la taquine la bouteille, t'inquiète. Alors au niveau quête, on est où? Eh ben on l'a fini, hein. Comme on est 34, on va pouvoir continuer. Twitch, ok, check. Oh merci si tu fais le tour de tout, c'est génial. Pour l'instant, là, je... Pas que je préfère l'extension au jeu original, mais presque. Ça reste dans la continuité, ça reste pareil, mais une autre histoire. C'est vraiment bien, une vraie bonne extension si vous avez aimé la quête principale et que vous êtes un peu déçu que ça soit déjà fini. Franchement, prenez les extensions. J'en suis à... c'est mon quatrième live de plus de 2 heures, donc je dois y en être à...
Je dois être à 12, 13 heures. Oh là. Je suis à 12, 13 heures de jeu. Et j'ai encore plein de trucs à faire. Tellement de contenu qui rajoute. C'est pas un DLC de pauvre ça. C'est pas un skin, c'est pas des merdes. C'est vraiment du contenu. Vraiment pour vivre des choses, c'est génial. C'est bien l'hôtel des ventes des frères Borsodi ? On dirait bien. Soldat Kleiner, dois-je vous rappeler que vous êtes en service ? Fraterniser avec les civils est interdit. Fraternise pas, je vous pose une question. L'objet de votre visite ? Simple curiosité. Armée régulière et d'année. J'ai encore ma tenue de mariage, j'ai oublié de remettre mon équipement. Celui-ci, c'est mon subordonné, le soldat Kleiner. Gaffe à pas te pisser dessus de joie quand même. Vous disiez soldat ? Rien. Vous n'avez pas mieux à faire ? La guerre, par exemple ? Notre ordre de mission est officiel. Circulaire 76 CWX. Oh, objet, protéger l'hôtel des ventes. Priorité, haute. Un robot, très haute. Borsodi connaît les ficelles. Il aide les hauts gradés à fourguer leur butin, ce malin-là. En échange, il est protégé. Kleiner, il s'agit d'informations militaires confidentielles. Les proprios sont là. Le proprio, vous voulez dire. L'estimable Horst Borsodi. Horst Borsodi. Il est là. Oui. Je dois lui parler. Dailymotion est inactif, ouais, Dailymotion est inactif, hein, les gens. Clair. L'hôtel des ventes est réservé aux personnes munies d'une invitation nominale. Hey, salut Alex sur Twitch qui nous dit c'est pas du DLC d'EA Games. Salut à toi. Et en effet, c'est pas du DLC de PD. Franchement, c'est bien la première fois que je me sens pas me faire sodomiser quand j'achète un DLC. Désolé pour mes mots vulgaires, mais les DLC ça commence à me casser les couilles. Et j'ai vraiment l'impression de me faire avoir sur d'avoir vraiment un jeu découpé. Tandis que là, c'est vraiment du développement supplémentaire. C'est que le jeu est terminé si on prend pas les DLC. Et là, si vous les prenez, c'est un truc en plus dans le jeu principal. C'est pas un truc fait à côté, quoi. C'est pas un jeu découpé. C'est vraiment bien, 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 bien foutu. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez continuer les aventures de Gérald de Rive, y a pas le choix. C'est vraiment bien. Ce sera une exception. C'est bon pour la santé. Les menaces ne m'effraient pas. J'ai juré de servir la Redania jusqu'à la mort. Fidèle à mon serment, je mourrai en chantant. Merci Alex. Gaffe. Hein. C'est entre nous. Il y croit, le bougre. Gade mate redania pul fecunda nubili. Oh, mais qui voilà ? Il faut lui. Gérald ? Gérald de Rive. Ah, la caméra, comme elle a dû se baisser. Ce bon vieux Vim. Toujours usurier par passion c'est et profession. C'est qui déjà ? C'est je qui préfère déjà ? Préfère le terme de prêteur sur gage. Mais bon an, mal an, c'est l'idée générale. Alors, tu pourrais donner la config de ton fessé et la tour de toutes on les plateformes. On apporte une, mon ami Gérald. De Maître Vivaldi, fini, tout est bon. Votre estimable ami n'ayant pas d'invitation... Je peux te filer ma config si tu veux. J'ai pris sur moi. J'en ai pour deux. Il entre avec moi. Allons-y, Gérald. Mais j'ai pas une tour toute récente, elle a 3 ans. Mais les ordres... Les ordres, rien à foutre des ordres. Dois-je en référer au sergent ? Mieux vaut pas. Allez, circulez. Et bouclez-la un peu. Merci, monsieur le nain. Je me souviens plus qui c'est. Je vais aller regarder dans le... Ça dans va chambrer au baraquement. La ferme. En avant. Demi-tour. Une, deux. Une, et il a donf, lui. Il a donf dans son rôle. Bah, c'est bien. Moi, il est sérieux, mais trop sérieux. Après la cinématique, je te donne ma config PC. En gros, Twitch est ok, YouTube Hitbox aussi. Ouais. Ok, mais merci, merci. Merci pour le coup de pouce. Alors, Gérald te dit merci. C'est moi que je puisse faire pour merci un Alex de m'avoir donné des comptes. C'est toujours un plaisir de traiter avec les vous. Les retours. Ma défunte épouse affirmait la même chose. Ah, il arrive du monde. Les enchères vont bientôt commencer. Montons. Comment je vais obtenir ça, moi ? Alors je rappelle pour notre ami à qui j'ai exaucé le vœu de passer une bonne journée à son frère, donc celui qu'on a vu tout à l'heure, là, le hipster dans le cabaret. Maintenant il veut que j'obtienne cet hôtel de vente pour lui. En gros qu'il soit propriétaire. Je sais pas du tout comment ça se passe. En fait, je souhaite parler à Horst Borsodi. Ça risque de vous poser souci. Parce Pourquoi que... Un vrai ermite celui-là. Rien à voir avec son paternel. Il est jamais là. Telle est son âme. Et ça, il est jamais là. Mais Horst devrait se pointer pendant l'enchère.
je vous le présenterai. Je vous en serai redevable. Alors bon, ce n'est rien comparé à ce que certains clients me doivent. Oh, menton. Alors, je vais te montrer ma config. Ça se peut qu'il y a des gens qui se demandent quelle est ma config. Donc, on va faire un petit DXDiag. Je vais vous afficher ça. Capture de fenêtre. Là, ici. Paf, outil de diagnostic. Paf. Pourquoi ça fait ça? Non, mais oh. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est assez grand. J'en sais rien. Ah! Non, je peux pas faire ça. Donc, on voit que j'ai une MSI 7821, un Core i7, 3,4 GHz, hein, donc c'est un vieux processeur, mais comme il y a encore de la patate en GHz, ça passe bien, 8 Go de RAM tout bêtement, un Windows 7, édition familiale, ça pue, hein, je vous conseille pas, parce qu'il y a des trucs inutiles qui vous bouffent un peu de ressources. Et ensuite, en affichage, j'ai une Nvidia GTX 770, que je vais peut-être changer bientôt, vu que les 900 commencent à baisser de prix. Donc voilà, et en son, rien de spécial. Ma souris, c'est une Razer, il me semble qu'elle s'appelle Razer Blade, Imperator, excusez-moi. Imperator, et mon clavier, c'est un Logitech G15, l'ancien du nom. Voilà, mon micro c'est un Gamescom, un truc à 30 balles, qui va très bien, je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de budget. Et que dire de plus, c'est ma manette, bon, c'est la manette Xbox habituelle que tout le monde a. Voilà un peu pour ma config, hein. J'ai une lumière au-dessus de ma tronche aussi, ça vous dit. Et sinon c'est tout ce qu'il y a de bon à savoir pour moi. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il y a important de plus à dire? Après, il y a mon ski là, mais ça s'achète pas, hein, c'est pas une marque. Alors, on va suivre le nain. Vous n'avez jamais pensé à investir dans la terre? Je dans la terre. Vous obtenir un taux attractif? Un taux d'emprunt attractif, ça n'existe pas, Vim. Hein? L'enchère n'est pas pour tout de suite. Vim, c'est un banquet. En effet? Et alors? J'ai horreur des banquets. Conversation futile, portion ridicule. Du ton skill de blédard, MDR. Allons, non, ça va, ça va. Laissez-moi vous présenter les invités les plus intéressants. J'ai un minimum de skill quand même. Cette vieille dinde, c'est la comtesse Mignol. Oh, ma bah, c'est jusqu'au bout de la nuit, c'est la meilleure. Tu vas crever bientôt, madame ou quoi? Le maire d'eux dans l'angle, c'est Hilbert, un nouveau riche. Hilbert! Il a fait fortune au Gwent. Ah, voilà Yaromir. Bah, j'aimerais pas l'affronter au le marchand d'art. Il y a Mouche, il y a un tableau de monsieur Mouche. Jungle, j'ai déjà vu lui. Grand connaisseur en peinture. Alors, déjà vu, lui. Vous avez fait votre choix? On peut pas rester là comme deux boulets. Oh. Rencontrer les amis de Vivaldi. Putain, c'est vous chiant, sentez, ça. Gérard, l'odeur de l'argent. Alors, on va aller parler à la vieille dinde avant, en premier. Mon chien, il aboie, non mais. Bon, bah, moi aussi, ça te chante, toutou. Mais bonjour, mademoiselle. Comtesse. Permettez-moi de vous présenter à un ami cher, Gérald de Rive. Ça va, j'ai une belle tenue du coup, comme je me suis pas changé. Mille excuses, avons-nous déjà eu le plaisir? Il faut que je change ma coupe par contre, hein, je vais aller au coiffeur. Mais ce médaillon se reconnaît entre tous. Prenez note, Gérald. La comtesse est une ardente collectionneuse de Vedi Minaika. Ah, de Vedi quoi? Tout ce qui touche au métier de sorcelaire. Ah ouais? Glaives, accessoires, médaillons. Comment la comtesse s'est-elle prise d'intérêt pour nous autres, chasseurs de monstres? Je savais pas que ça existait, ça. Via les hasards de la vie. Une heureuse rencontre au temps de ma lointaine jeunesse. Vézimir, je suis sûr. Que dites-vous là, comtesse? Je suis sûr que c'est Vézimir qu'elle a rencontré. Une rose. C'est très ouais. Aimable, maître Vivaldi. Elle est aussi fraîche mais que ma peau quand je sors du bain au bout de deux heures. Je possède une collection de miroirs. Quelle est, selon vous, votre plus belle pièce? Une pièce d'armure d'époque, une antiquité. Il faut que je lui vole. Du loup. Année de l'école 1234. Du loup. Un grand classique. Est-elle à vendre? Hélas, non. C'est un souvenir de grande valeur sentimentale. La comtesse a peut-être d'autres babioles de sorceleurs qu'elle est disposée à vendre. Ou à acquérir, voire à troquer. Je ne prendrai que 5%
Je t'aime, Para. Tu me déclares toute ta flamme ou quoi là? Ah, moi aussi, je t'aime bien. Vous avez pas remarqué, elle a dit en 1234. Ça, c'est un peu bizarre comme année. Ça se dit pas, 12 centaines quelque chose. On dirait qu'elle a dit 12 et 134, c'est ça qui est marrant. Mais c'est 1234. Faut faire la distinction, madame. Hein. J'ai pas compris ce qu'il a dit là. J'ai pas suivi. Ah, il m'a perturbé à me dire qu'il m'aime, lui. Vim, je n'ai jamais vu personne d'aussi prompt à palper son petit pourcentage. Enfin, ainsi va. Mon fond vert, arrête. Voyons, on dirait que j'ai des mouches au-dessus de la tête. Mais je dois partir administrer le Dark RP. Pas de soucis, hein. D'ailleurs, les gens, si vous aimez le Dark RP, la Fireteam a un serveur, n'hésitez pas à aller voir. Putain, les armures! Wouah! Elles coûtent pas spécialement cher, hein. En tout cas, administre bien le Dark RP, mon ami, mais t'arriverais pas à mettre le live plus administré. Non mais oh, c'est quoi ça? Oh, ouais, les bottes de l'école de la vipère, ils tuent pour tanker, c'est... Waouh! C'est tout de la vipère, ça? Ah oui, génial. Et ça, c'est... Pas jamais distribué, bien sûr. Ah, il coûte cher, cela. Ah, elle coûte cher, c'est là. Pourquoi elle coûte cher? J'ai envie de tout acheter, j'achète tout. Acheter. On a tout acheté, on est des fous. Petite pub, mais je peux mettre le live aussi. Ah, voilà, comme tu veux. Bah, c'est pas une petite pub, hein, c'est une petite pub pour nous, donc c'est con de dire ça. Hein. Alors, je vais éviter de lui vendre des gants, parce que je sais pas lesquels elle peut mettre et pas mettre. Je sais plus. Plus elle achète ça, pas grand chose. Elle achète rien de toute façon, apparemment. C'est quoi ça? Et voilà, je t'ai tout acheté, madame. Je lui ai tout acheté. Du craft à tirer à l'arigot. Alors, on va attendre le dring, dring pendant 10 minutes, tellement j'ai acheté de trucs. La comtesse convoite-t-elle une pièce en particulier aujourd'hui? Pas vraiment. Mais Horst Borsodi a insisté sur le fait qu'un lot pourrait retenir mon attention. Et a-t-il précisé la nature de ce lot? Non. Il aime être ainsi. Énigme. Sur un autre sujet... Son cou, il a bugué. Maître Gérald, seriez-vous disposé à aider une dame en détresse? Oh, je veux pas commencer à aider toute la planète. Oh, une bagatelle. Je suis sorti sur le balcon tout à l'heure. J'ai dû y perdre une boucle d'oreille... Impossible de la retrouver. Elle a du chat dans une rainure. Mais avec des yeux de chat. Mais certainement, j'y vais de ce pas. Je suis votre obligé. A tout de suite, Vim. Quelle super quête, dis-donc ! Attends, je vais juste régler mon fond vert. Qui a l'air de merder. Mon chien râle. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Deux petites secondes, vous l'entendez, hein, mon chien. J'arrive. Navré de vous avoir fait attendre les gens. Désolé. Allez, on va chercher la boucle d'oreille de cette madame. Voilà. Tous les lots provenaient du même domaine familial. Un nom est... Erebeg. Un peu de vin renversé et rien d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça?
n'y a pas de boucle d'oreille ici, je me trompe? Elle voulait me mettre m'écarter. Ok. Peut-être que la comtesse pourrait éclairer ma lanterne. Blague à part. J'espère que c'est pas un jeu de mots. Oh Dieu, comme c'est embarrassant. Qu'est-ce que tu veux dire, madame? Connaîtriez-vous Vesemir? Ah, je m'en doutais. Que vous, moustachu. J'ai visé dans le mille. C'est mon mentor. Il m'a appris tout ce que je sais. Vraiment? Comment va-t-il? Si j'ai pu me permettre. Il est mort. Vous étiez proche? Vous pouvez. Cependant, avant de répondre, j'aimerais savoir votre degré d'intimité. Oh, je ne l'ai dit à personne. Jamais. Mais à vous, je dois une explication. C'était pendant l'hiver 1234. Un monstre hantait les rues d'Oxenfurt. Oxenfurt. Une noctule, si ma mémoire est bonne. Un contrat fut rédigé, un avis placardé, un sorceleur se présenta, Vesemir, de l'école du loup. Lancé aux trousses du monstre, il est passé sur notre domaine. Nos regards se sont croisés, une étincelle a jailli. Je lui ai écrit un mot, transmis par ma gouvernante. Il est venu me voir nuit après nuit, à la faveur de l'obscurité. Quel petit cochon ce Vesemir. Je m'en doutais que c'était lui. Mon père a entendu quelque chose. Vesemir a dû fuir. Si vite qu'il en a oublié son gambison. Ah, la première pièce. Le début de votre collection. Oui. Mais aussi la fin de notre amour. Père fit publier un mandat d'arrêt, puis me maria rapidement. Heureuse décision, mon époux mort jeune m'a légué une jolie fortune. C'est ainsi que j'ai vécu au milieu des souvenirs. Ah, on va lui dire, il est mort, Vesemir, malheureusement. Petit spoil pour ceux qui n'ont pas fini la quête principale. De mauvaises nouvelles. Oh. Vodka, Pouliakov. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle parlait de russe. Racontez-moi de grâce. Est-il mort en sorceleur? Bien sûr. Non. Il est mort en héron. Il en est donc ainsi. Merci. C'est gentil d'avoir supporté mes radotages avec autant d'élégance. Ne dites pas ça, voyons. Je suis vieille et riche. Aussi puis-je dire tout ce que je veux. Maintenant, j'aimerais rester seule avec mes Tiens, ta gueule, je dis ce que je veux. Je rentre. Allez, ce qu'il dit, un DLC avec des quêtes de qualité où vous pourrez partir à la recherche de boucles d'oreilles et divers bijoux pour seulement 49,99€. Non, les DLC sont à 10 balles, il me semble, 10 ou 12 euros. Bien donc. Mais là, on a bien compris que chercher une boucle d'oreille, c'était un argument pour m'éloigner un peu de tout le monde et pour qu'elle puisse me parler de Vesemir. Donc, on lui pardonne notre ami. Hein. Évidemment, malheureusement, on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. C'est contemporain. C'est sur Steam The Witcher. Moi, je l'ai acheté sur GOG. Qu'ils ont lancé leur plateforme de jeu aussi. Parce que quand il est sorti, je l'ai eu à 35€ sur GOG, donc c'était pas négligeable. Et 20€ les deux DLC, enfin les saisons pass. Du coup, si on a d'autres, ça sera fait. Donc voilà, je l'ai eu pour 55€ le jeu plus les DLC. Bon, lui, c'est un joueur de Gwent, donc ça m'est. Je vais sauvegarder parce que je sens qu'il voudra me duel et il va me défoncer. Oh, beau gosse le monsieur. Eh, hey, beau gosse. Ah bah, il y a toutes les filles qui sont sur le. Ça fait des lustres. Permets-moi de te présenter Geralt de Rive. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Alors, comment va? Tu as opéré une razzia sur tout ce qui brille? Pas vraiment. J'en chéris par-ci, par-là. Je cherche du somptueux pour orner mes murs. Du Nilfgaard, je me trompe? Pardon? Au Gwent, vous jouez avec le Nilfgaard, pas vrai? J'ai que ça comme carte! Mettez-le. Je suis percé à jour. Je suis percé à jour. Ah! Je le savais. Vous n'avez pas une tête à aimer les matchs nuls, vous? Rien qu'un mot, Hilbert. Geralt, ici présent, est un joueur d'exception. Non, dis pas ça! D'exception. Il va me défoncer. Il reste un peu de temps avant le début de l'enchère. Putain, je m'en doutais! Une petite partie? Est-ce qu'on peut dire non? Une autre fois, peut-être. Ah, pourquoi? Parce que le gars, il est riche et il achète sûrement les meilleures cartes. Il va m'exploser, alors ça sert à rien. Moi, j'ai un vieux
deck Nilfgaard, comme il dit, tout simplement, parce que c'est les cartes qu'on vous donne au départ, et les autres decks, il faut aller gagner des cartes pour les compléter. Désolé, la prochaine fois peut-être. Enfin, c'est la vie. Je vais grignoter un morceau. Dites-moi, c'est sacrément curieux ces petites billes noires. C'est du caviar. Je ne connais pas le caviar de Kovir. Ah. C'est donner de la confiture au cochon. Venez, Gérald. Taillons une bavette avec quelqu'un d'autre. D'accord, donc, ok, le fait que j'ai pas accepté. C'est contemporain. Leur arme m'échappe totalement. Bon, et on va aller voir lui, l'expert en tableau. Il me rappelle quelqu'un, il me semble que je l'ai déjà vu. Yaromir. Mais on connaît pas. Pourriez-vous nous accorder une seconde? Non. Salutations, non, allez vous faire battre. Qui est-ce? Gérald de Rive, sorceleur. Je me suis dit qu'on pourrait causer des peintures en vente aujourd'hui. Alors? Toujours en quête d'un bénéfice rapide, n'est-ce pas? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous aussi, vous gagnez gros sur l'étoile, l'ami. Très juste. Mais elles me ravissent les sens, alors que pour vous, seul compte le profit. Le seul art qui vous intéresse, c'est l'art culinaire. Et vous, sorceleur, seriez-vous amateur de peinture? Un peu. On va dire un petit peu. Pour improbable que ce soit avec ma tête de truand, en effet, je m'y connais un peu. Vraiment? Ah, il va me poser des questions, je vais me planter. Ça. Oh, je le sens gros comme une maison. Et pourquoi quand je penche ma tête par ici, mon fond vert, il se met à savez-vous faire chier? Que notre ami Vivaldi possède 5 Van der Knoob. 5 Van der Knoob, un malheureux paysage à 5 cours. C'est des tableaux allemands. Je ne prétendrai pas le contraire. Pour vous, en revanche, sorceleur, ami des arts, ce serait un jeu d'enfant. Dites voir, lequel de ces tableaux est l'œuvre d'Edouard Van der Knoob, le maître de Maribor? Que j'en sais, moi. Sérieux, les gens, qu'est-ce que j'en sais? Le maître de quoi? Il a dit quoi, le maître de quoi? C'est peut-être important. La nature morte. Vas-y, la nature morte, tant pis. Ah, la nature morte? Bien sûr que non, c'est un long jandique. La palette, le grain, ça crève les yeux. Adieu. Ah! Mais! Ah ouais, il est comme ça! Celui-là. Ah, maudit soit cet Aristo de mes deux. Ah oui, et comme lui, j'en ai deviné. Soupé. Demande à Gougel. Non, on va pas tricher. Estimé client, j'ai dit un peu, le gars me pose une question. L'enchère est imminente, veuillez prendre place. Safe. Ah, pas trop tôt. Suivez-moi au premier rang, du fond je ne verrai rien. Bah reste pas au fond alors, vieux nain. Il demande à Google, tu t'as retenu le nom de l'artiste toi et le vieux nom allemand là. Van der Flur, Flur, Ding Flur. Comment veux-tu de taper ça sur Google? On ne triche pas, hein. C'est du RP, donc on fait comme si on était à sa place. Demander. Comment va se passer la vente? Ils vont commencer par apporter 3 lots. Quand ils seront vendus ou pas, il y aura une pause. Pause. Borsodi devrait alors faire son apparition. Je vous présenterai à lui. J'y compte bien. D'ici là, vous avez ce qu'il faut pour enchérir? Je sais même pas si tu dis vrai Pix. Pix sur Xbox, il nous dit Vanderflush, Vanderfish. Ça se peut, c'est ça, j'en sais rien. Vous avez quelques argent à me prêter? Bon allez, on va voir ce qu'il y a de quoi vendre. Avec tout le mal que j'ai eu à rentrer, ce serait idiot de ne pas participer. J'étais sûr que vous vous piqueriez au jeu. Gentes dames, chers amis, soyez... Ce serait pas mal qu'on fait une vraie vente aux enchères. Je déclare l'enchère ouverte. Mesdames et messieurs, le premier lot est une statuette en cuivre issue de la collection du tristement célèbre comte Romy. D'après la rumeur, elle recèlerait un trésor caché. Rumeur qui ne pourrait être confirmée qu'en brisant ce somptueux bibelot. Oui, tu imagines, tu l'achètes. De 50 couronnes.
un preneur. C'est le nom de mon grand-père quand je décolle ce drôle. C'est drôle. Mignol. 200 quelqu'un qui se lance. Vas-y, 200. Le gentilhomme aux cheveux blancs entre en lice à 200 couronnes. Qui dit 250? 200 une fois, deux fois, trois. Magnifique! 250 chez la comtesse Mignol. 300 quelqu'un? Je lui fais perdre 50 dollars. $50, n'importe quoi. 50 aura. L'honorable Yaromir entre en lice à 300. Quelqu'un à 350? 301. 350 chez la comtesse Mignol. Une fois, deux fois. L'eau numéro 1, la mystérieuse statuette de cuivre. Et là, elle va la casser et il n'y a rien dedans. Mignol. Les boules, quoi. Passons maintenant au deuxième lot. Un tableau de Van Rogg. Ah, Rogg. Nuit étoilée sur le pontard. Oh, c'est génial. Exquise. Bien. Mise à prix très modeste. J'ai envie de lui prendre à l'autre. 20 couronnes, mesdames. Rien que pour le faire chier. Vas-y, je prends. 20 du côté du gentilhomme aux yeux de chat. Qui dit et il va me décrire à chaque fois. 20 couronnes une fois, 20 couronnes deux fois, trois fois, adjugé. Nuit étoilée sur le pontard. Je vais sûrement le vendre plus. Adjugé au gentilhomme aux yeux de chat. Rogg d'Harry Potter. Il l'a peint avec ses cheveux. L'eau numéro on a eu un tableau, j'espère qu'il se revend bien. Rareté. Là, tu vas me dire c'était. Lorgnon à monture d'or, vert en cristal de roche polie, travail soigné d'artisan gnome. Aurait appartenu au célèbre tueur à gages connu sous le sobriquet de professeur. Mise à prix, 200 couronnes. Qui se laisse tenter? 52 mieux par le maître du Gwyntilbert. Qui dit 3, pigre, quel entrain! Pourquoi 300 couronnes chez Yaromir Ivanovitch Zeitzel. Pourquoi ils en veulent autant? Une fois, deux fois. Non, je m'en fous. Excellent! 350 de la part du gentilhomme aux cheveux blancs. Quoi? Ah, il m'a poussé! 350 une fois. 352 fois. Il faut absolument que je le. 400 du côté de la comtesse Mignol. Qui dit mieux? Pourquoi il veut que je le prenne? Deux fois. Trois fois adjugé. Les lunettes du professeur vont à la comtesse. Professeur Rogg. Que d'émotion. Ça parle loin dans le délire. Adjugé, nous voici à la pause. Le buffet vous attend. On a mis un tableau. Les enchères reprendront. Je suis sûr qu'il va me dire votre tableau, c'est un faux, vous êtes fait niquer. Allez, je le sens. Gros comme une maison. C'est quoi ça? Ah, des saucisses! Il y a du vin, il y a des poissons. Il faudrait les cuire, les poissons, quand même. Hein. Gérald, regardez. Orsodi. Rappliquez avant qu'il ne soit assailli par les lèches-culs. Il ressemble à mais quoi? Mais ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. C'est quoi ce cul? Son truc, il lui fait un de ses culs. C'est horrible. Ah, Gérald, rien à foutre. Il jette la pomme au milieu de la pièce. Bon, allez. Salut, Horst. Permettez-moi de vous présenter un ami et associé. Gérald de Rive, qui... N'était pas invité. Très juste, quelle sérieuse entorse. Possible, mais vous y gagnez. Vous y gagnez. J'ai dépensé une coquette somme. Contrairement à Vivaldi, je ne vois pas que le seul profit. Cette salle des ventes est avant tout un rendez-vous de l'élite locale. Inutile de préciser qu'un vagabond mutant n'y a guère sa place. Oh, j'ai la nette impression que ça part du mauvais pied entre vous deux. On devrait peut-être lever nos verres. Ouais, c'est clair, ça part mal. Qu'est-ce qu'un type comme vous peut bien me vouloir? T'as la dalle ou quoi? Pourquoi tu me dis que j'ai la dalle, toi? Tout ça ne mène pas à rien. Entendu, c'est Sonde Finacé. L'hôtel de Maximilien Borsodi. Je dois le trouver. C'est très important. C'est l'hôtel qui voulait, ouais, je parlais de l'hôtel, mais c'est l'hôtel. Inutile d'élever la voix et de perdre nos nerfs. Allons, du calme. T'as pas mangé? Ah non, j'ai pas mangé. Qui vous en a parlé? Je suis en régime en ce moment, donc ça me va bien. Qui? J'ai perdu 7 kilos depuis 2 semaines. C'est pas mal. Alors que j'ai fait beaucoup d'écart. Peu importe, vous allez me dire de quoi il s'agit ou non. Sans transition, je vois beaucoup que je vois garde, ça, mais... Garde, évacuez le sorceleur. Il n'est pas le bienvenu ici, que ce soit seul ou dans les jupes du hiérarque Emelfart.
Hola, hola, il n'a fait que poser une question. Un mot de plus et je transfère mes comptes chez un concurrent. Désolé, l'ami, mais... Ah, le bâtard. Ah, le nain, quand même, lâche. Inutile d'ameter les gardes. Vieille banque, le gars. Je m'en vais. Je n'ai pas souvenir de vous avoir laissé le choix. Virez-moi cette canaille mutante. C'est mal barré pour trouver la... Pour trouver l'hôtel. J'ai des bottes en moumoute. Ah non, c'est pas moi. Vos épées, monsieur. La loi nous oblige à vous les restituer. Ah, je vais dire. Elle ne dit pas quand. Bon, on le fera. Mais pas avant d'avoir fichu une solide raclée au gentilhomme. Quoi ? Moi qui ah bah sympa les gardes. Sympa la police ici. Allez les gars, c'est l'heure des étirements. On va se le faire, cette enfoiré. Attends, je peux pas aller dans mon inventaire. Non ! Oh allez, critique. Il m'a pris pour qui toi? Heureusement que le T-Bug, parce que quand ils sont deux c'est déjà un peu plus chiant. Allez, viens ici toi, tapette. Moustache va. Moustache. Ballot moustache, c'est pas se battre quartier. Ballot moustache, ah ballot les gars, ballot. Bande de PD, bah. Désolé pour mes mots, mais... La loi est formelle. Quand on voit un blessé, il faut appeler les secours. Mais la loi ne précise pas de se hâter. Serrez les dents, ça va Allez, passer. Bim, bim, bim. Retournement d'argument dans vos gueules. Le dicton se vérifie donc. C'est qui lui? Armé ou pas, le sorceleur signe ton trépas. Je ne suis pas d'humeur pour les perles de sagesse populaire. Qui es-tu? Dans c'est le meilleur il est classe. Ton futur mais c'est associé. Qui Je oh. fais cavalier seul. N'en sois pas si sûr. Seul, tu n'arriveras jamais à t'introduire dans l'hôtel de Max Borsodi. Comment sais-tu que je cherche après cet hôtel? C'est qui lui? J'étais présent aux enchères. Déguisé, bien sûr. La prise de bec sur le sujet était difficile à ignorer. Bon, cessons de tourner autour du pot. Pour réussir ton coup, tu devras accéder à la chambre forte. Et ne compte pas sur Horst pour te refiler la clé, par bonté d'âme. Un casse. Ça ne me plaît pas du tout. Cambriolage ! Trouve l'herboriste qui vit près d'Oxenfurt. Demande de l'extrait d'Achille. Il saura pourquoi tu viens. Je vais baisser ma lumière parce que... On se reverra. Enfin, j'espère. Peut-être. Enfin, peut-être. Pourquoi mon fond vert il fonctionne point? Juste un petit réglage encore, mais j'en suis navré. La magie du direct. Pas de montage, rien du tout, tout en live. Mes impressions, mes dires, tout est en live. Vous voyez, parce que le bas là, ici, il est plus sombre que le haut. Un petit souci de lumière, je peux pas faire mieux. J'en suis navré. Je ne peux pas vous donner une meilleure qualité pour le moment. Alors, qui était cet homme? On a level up. On va entendre un... Oh allez. Je veux le... Oh encore. Oh oh. On est niveau 35. Non, pas tout est augmenté. Ça. Ça, c'est... Voilà. Petite save, on va remettre son armure. Je sais plus c'est laquelle. Mes épées sont... Pourquoi j'ai pas mis cette épée là? Il y a quand même 114 d'écart. Parce qu'ici j'ai du gel. Et là j'ai incinération, résistance poison. Ouais, parce qu'elle est beaucoup plus... Elle fait beaucoup plus mal au final. Pas en dégâts bruts mais en finalité. Ouais, ce que je veux c'est remettre mon beau truc là. Quoi? Genre c'est mieux ça? Non. Non, ça fait aucune résistance, ça fait plein de résistance. Voilà, voilà, là on a un Gérald classe. Et mon futal là. Futal c'est celui-là. Mes bottes. Mes boîtes. Mes gants. Ah j'avais pas de gants du tout. Alors, Axie.
Ah si, Axi, c'est bien. Résistance contondant. 65, c'est ceux-là qui sont les meilleurs. Signe d'Axi. On veut améliorer son signe d'Axi. Et en plus, on peut l'enchanter. Non, toujours Axi, Axi, Axi. Est-ce que j'ai un truc sur le signe Axi? Voilà. Impeccable, bien. Je go faire un gros caca, oui. Bah voilà, la magie du direct. On peut devoir chier à tout moment, il n'y a pas de souci. Ah, on voit les nouveaux objets en bas. Ça s'affichait, ça faisait pas ça avant là. Exactement. Et ben, bon gros caca, mon cher ami Pix sur Hitbox. Fais-toi plaisir. Tu pourras réassister à la déclaration de ton caca en replay sur YouTube. C'est quoi ça? Ok. Ça saccade, il y a du monde, j'en suis navré. Faut que j'arrête de dire j'en suis navré, mais j'en suis navré. Oh, il a dit putain là, monsieur. Ça fait déjà 1h50 qu'on est sur le live. On va appeler Ablette là. Mon cheval, c'est génial. On va faire une vidéo de 2h. Et on va couper. Je vais aller faire une petite pause, manger un bout et faire un peu les corvées à la maison. Et on reviendra peut-être dans la journée pour la partie 5. Pas d'histoire. Salut Gérard. Oh. Le type des collines qui vont sur le fromage de chèvre. Donc là, il y a une quête secondaire. Au moins, elle s'est affichée sur la map. On va pas la prendre tout de suite. On va la prendre si jamais on a un souci de niveau. D'ailleurs, on va regarder. Quête, je suis 35 et c'est une quête 34. Donc, ça, on garde. Parce qu'après, si on est trop haut niveau, la quête principale va devenir plus simple. Donc, on va éviter. Qu'est-ce que c'est? Oh non, il y a un sanglier encore. Merde. Eh, c'est la folie des sangliers ici. Je m'en fous. Et au fait du Signaxi, je m'en fous. Ce qu'il me fallait, c'est Igni. Je fais extrêmement mal quand je m'éligne parce que je réduis l'armure. Un carreau entre les côtes. Il s'est fait tirer dessus. Mais ça s'est très mal passé. Pourquoi on trouve de la peau d'ours sur un sanglier? J'aimerais qu'on m'explique, les gens. Je vais éternuer. Voilà, c'est la façon d'éternuer la pire du monde. Tout simplement parce que j'avais mes mains de prise. Désolé. Ah, il y a des gardes. Misérable Alflin lubrique. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Mes frères, tous sur lui. Plantage. Ah, oh, et l'autre là-bas il est congelé, ça c'est nickel. Un petit carreau dans sa tête là pour voir. Non, 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 roulade. Oui. Génial, Gérald. Ouh, l'exécution. C'est bien tranchant hein, quand même. On ne chôme pas par ici. On ne chôme pas par ici, non mais on dit non. Des épées pourries. Monsieur l'alphelin, que vous arrive-t-il? Que vous arrive-t-il? Qui est-ce? Eh ben, vous êtes efficace, vous. C'est tout ce que vous avez à dire? Ça fera 100 couronnes. Je vous ai sauvé la vie. On aurait fait qu'une bouchée de cette racaille. Pourquoi t'ouvrais pas, alors, Coco? Pointilleux avec ça. Vous savez bien ce que j'ai voulu dire. Alors, vous venez pour affaire ou quoi?
On va regarder ce qu'il a avant. Laissez-moi jeter un œil. Oh, il y a plein de... Plein de formules et il n'est pas donné lui. Est-ce que j'ai appris toutes mes formules tout à l'heure? Attendez. Adieu. Je reviens, il faut que je regarde si j'ai appris toutes mes formules. Il me semble que oui, hein, mais... Ils s'apprennent toutes seules les formules. Est-ce que ça me dit si je les ai déjà ou pas? Je sais plus. Salutations. Laissez-moi jeter un œil. Il me reste déjà plus que 5000 boules. Regardez, puisque là il y en a qui sont revenus. Ça, j'ai pas. Formule pour concocter une pleine lune améliorée. Je sais pas comment ça se passe, si je l'ai déjà, si ça le note, je sais plus. Donc achetez bien les popos et tout, les gens. Conseil de l'ami. Et mon tableau il se vend combien alors? 23. Enfin, je gagne 3$, super, génial. C'est toujours ça. Des bagues. Ah, ça se vend bien. Hop. Est-ce qu'il a encore des sous? Oui, bah il a tous mes sous quasiment. Ici, donc j'ai tout à vendre vu que vous ne pouvez pas vendre cet objet. Ok, il achète pas d'armes. Bon, ça c'est. Oh bah ça c'est génial, là, dis donc. Vous n'auriez pas de l'extrait d'Achillée par hasard? Si. Dans la réserve. Par ici. Suivez-moi. Genre dans la cave, au fond, à droite, j'ai de l'extrait d'Achillée. Oh, tombe pas, Gérald, tu peux mourir. Ça m'est déjà arrivé. Je fais moins le malin maintenant. Oh, toutes les plantes qu'il a, je pourrais tellement tout voler. C'est qui lui? Ah, c'est le gars. Tu d'accord. Es venu. Parfait. Je réserve mon jugement. Tu étais censé me parler. Je t'écoute. Comment expliquer? Nous partageons un but. Accéder à la chambre forte de Borsodi. Pour quelque chose qui s'y trouve. Pourquoi ne pas unir nos forces? Mais je veux pas la banque, moi je veux l'hôtel. Tu au juste? J'ai un plan. Ça fait une année que j'y travaille, sur papier. Il est temps d'agir. Faut que j'aille refaire ma coiffure là, j'aime pas. Ben voyons, je ne connais même pas ton nom. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu caches des choses. Pas qu'à moi d'ailleurs. Sans quoi tu ne croupirais pas dans la cave de Stoddy. On a tous des choses sur la conscience. On a tous des choses sur la conscience. J'ai besoin de ton aide pour un cas, c'est tout. On entre? On serre, puis on repart, chacun de son côté. Tu sais que si tu tentes de me rouler de quelque façon que ce soit, tu ne repartiras nulle part. Ta tête ira faire un joli vol plané. Je suis conscient du risque. Ah oui, je suis un sorceleur. Maintenant que tu m'as menacé, tu marches dans la combine? Je ne suis pas cambrioleur. L'occasion fait le larron, sorceleur. Je parle par expérience. Ouais. J'écoute. 20 soldats rédaniens gardent l'hôtel des ventes. Jour et nuit. Les patrouilles en font le tour. Et au-delà du coin, ce sont les baraquements. Le passage en force est donc exclu. Il faut entrer en douce. Exactement, mais ce sera coton. Porte blindée à l'entrée. Et barreaux de diméritium aux fenêtres. Copa comme coton. Heureusement, toute forteresse a son point faible. Celle-ci ne fait pas exception. Mon point faible à moi, c'est le manque de patience. Épargne-moi les pauses dramatiques. Ah, je suis pas de l'infiltration. Hein. Non, Gérald, il fait pas de l'infiltration, lui. Une tout droit, coup d'épée, notre c'est fini. Objectif. Les combles communiquent. Les patrouilles interdisent l'accès à la tour depuis la rue. Mais il existe une fenêtre à 20 mètres du sol. Ni volet, ni barreau. Voilà notre point d'accès à l'hôtel des ventes. De là, on descend au sous-sol par l'escalier. Il ne reste plus qu'à fracturer la chambre forte et le tour est joué. Faiblard. Le plan a des failles. La paroi de la tour est dénuée de prise. Toi, je ne sais pas, mais je suis incapable de l'escalader. Et je ne t'ai pas demandé de le faire.
Laisse-moi finir. Laisse-moi. Pour réussir, il va nous falloir deux complices. Un pour escalader la tour et nous lancer une corde. L'autre pour ouvrir la chambre forte, perceur de coffres ou expert en explosifs. J'ai déjà identifié des candidats prometteurs. Il n'y a plus qu'à choisir les meilleurs et à les recruter. À toi de jouer. Je préfère me faire, disons, discret. Bah oui, évidemment, c'est moi qui vais faire ton boulot. On doutait, vu la capuche. Autre chose ? Oui. Mais de l'ordre du détail. Tu sauras tout dès que tu m'auras donné ta réponse. En l'absence de solution de rechange, c'est d'accord. Mais à une condition, pas de victime, c'est clair. Aussi limpide que les eaux du Pontard. Si nous trinquions à cette heureuse association. Non. Si nous nous mettions plutôt au travail, on commence par quoi ? Tout d'abord, tu vas devoir recruter l'équipe. Ensuite, il faudrait éclaircir un peu les rangs des patrouilleurs. Sans quoi, on risquerait de se faire repérer. Parle-moi un peu des montes en l'air. Le vertige est rédhibitoire, j'imagine. Tout juste. Voilà pourquoi ma préférée est Evelyne Gallo, une artiste de cirque surnommée l'Hermine. Elle se produit en ce moment avec sa troupe, aux alentours d'Oxenfurt. Sa spécialité, gymnastique et cordes raides. Et le cambriolage aussi ? Genre. Pas officiellement, mais... Mieux qu'Assassin's Creed là-dedans. J'ai confronté la tournée de sa troupe avec les coups les plus audacieux de ces dernières années. Ça coïncide. Je doute fort que ce soit le fruit du hasard. Si elle rechigne, l'autre candidat se nomme Hugo Hoff, alias Pâté de Viande. Un halflin. Pâté de Viande ? C'est quoi ce surnom ? C'est dans Bonjour, Pâté de Viande, enchanté. Les criminels au visage poupin, ça ne court pas les rues. Détrompe-toi. Hugo a réussi plus de coups que tu n'as oxy le monstre. Mieux encore, il y a 2 ans, il a chipé la girouette plaquée or sur le toit de l'hôtel de ville de Novigrad. Le semi-homme, excellent. C'est La rumeur prétend qu'il serait terré à Oxenfurt, dans une maison près de la porte de Novigrad. Prudence, petit par la taille. Il est réputé pour être mauvais comme la gale. Ouvrir la chambre forte, ouais, des explosifs, quelque chose. Qu'avons-nous ? Commençons par le fait que l'un des candidats est nain. Casimir Bassi, natif de Mahakam, expert en explosions contrôlées. M'en douter. On le dit capable d'expédier Novigrad dans les nuages avec une pincée de salpêtre. Alors, une malheureuse chambre forte. Ah, il rigole pas lui, hein. Casimir aurait raccroché ses explosifs il y a un moment. Marié, père de famille, il s'est établi au village d'Alnest. Et risque de ce fait de nous envoyer bouler. Une autre option ? Quinto, le serrurier le plus célèbre du Nord. Recherché à Kedwen, en Lyrie, à Angren et au Covid. Hélas, il s'est fait pincer récemment par un certain Hans de Sidaris, un abruti de mercenaires. J'ai ouï dire que sa troupe était cantonnée à l'est d'Oxenfurt, sur la rive droite du Pontard. En gros, j'ai le choix entre arracher le premier à son foyer et le second à sa cage. Ouais, bah le second à sa cage. Et réfléchir. Éclaircir les rangs des patrouilleurs. Pas de victimes, j'ai dit. Doudou, je ne souhaite la mort de personne. Va les bourrer, va les endormir. Je songeais à une indisposition passagère. Crache le morceau. La chiasse, tous la chiasse. Tu vas devoir approcher le cuistot de la garnison. Voilà. Et le convaincre d'empoisonner leur pitance, histoire qu'un ou deux soldats restent alités. Pas plus, ça éveillerait les soupçons. Je connais une potion qui pourrait faire l'affaire. Tu vois, quand tu veux. Prépare ta mixture. Trouve le cuistot et persuade-le de te faire une fleur. Je ne sais pas, moi. Lance-lui un sort. Dresse-lui la patte. Ah oui, je vais lui faire le... Tabasse-le, même. Il est temps que j'y arrive. Très bien. Je m'y mets de ce pas. En plus, le live fait 2h05, donc je pense qu'on va couper là. Quand tu auras fini. On va finir la cinématique. Ensuite, on va voir les popos, les trucs qu'on a eu. Ensuite, on va baiser Horst dans les grandes largeurs. Tous ensemble. Ah ouais, ça c'est du champ lexical monstrueux, dis donc. Les hommes, ouvre-toi. Petite save. Petite save, j'ai dit merci. On va voir vite fait en alchimie si on a appris de nouveaux trucs ou pas.
Des bombes, on n'a rien appris. Enfin, si, ah là. Là, on peut faire ça, vous voyez, donc on le fait. Tout ce qui est en vert, faites-le. Après, c'est dans votre inventaire, de toute façon. Vous ne perdez rien. Ouais, il m'en manque plein, hein. Il m'en manque plein à faire. Ça, j'aime pas ce que ça fait. Augmente le gain de points d'adrénaline. A plus, Mourblou. Qu'est-ce que tu nous chantes, Pix, sur Hitbox, là? Je suis pas parti encore, attends. Ah bon, on peut faire plein de trucs, c'est bien ça. Mixture purificatrice. Faut que j'en fasse au moins une. Voilà. Tégène bleu, on en a pas besoin. Ça non plus, ça non plus, c'est des composants. Et voilà les gens, on a reçu plein de trucs, on a fait plein de trucs. On est génial, on est super. Ok, je voulais vérifier un truc. Ouais, changer mes gants. Parce que j'ai confondu Igni avec Axie. Je pense qu'on va plutôt mettre ceux-là, même s'ils sont aussi moches. Ça m'emmerde. C'est tout rouge, ça va pas du tout avec eux. Mais c'est très très très... Ah mais même si c'est... Non mais là 5 résistances aux entours, non bah ce sera ceux-là quoi qu'il arrive, ils sont très bien. Non, ça c'est pas photo, c'est largement mieux. Là c'est largement mieux aussi. Ça, bah je pourrais revendre ma tenue RP vu que j'ai... Tout ce qu'il faut. Ok, impeccable. Bon les gens, sur ce, on fait une grosse sauvegarde, hein. Bon, on perd tout ça, on met sur un disque dur. Tu viendras sur Mumble dans la journée, peut-être, mais vraiment un petit peut-être. Voilà les gens, merci d'avoir suivi cette vidéo live test de Hearthstone de The Witcher 3. Il me semble que c'était le numéro 4. 2 heures de plus dans notre aventure, vous voyez que ça avance petit à petit. Et donc voilà, on a fait plein de choses, on a fait une première partie, on a réalisé son vœu, on a fini le mariage, tout ça, c'était vraiment cool, vraiment drôle. Là, on part vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'un cambriolage de l'hôtel pour récupérer machin. On verra comment ça se passe. Et voilà, je rappelle à ceux du live que ça sera disponible sur YouTube, et je rappelle à ceux sur YouTube qu'il y a des pouces verts et qu'il y a des commentaires. Hein. Ouais, ok, vous êtes d'accord. Allez, sur ce, une bonne journée si vous regardez ça le matin, une bonne nuit si vous regardez ça le soir, non, on va pas tout faire. Je vous souhaite la santé, le bonheur, surtout, amusez-vous bien, restez connectés, et bon jeu à tous. Allez, salut les gens, bye bye.